Ok. On va prendre l'équipe gagnante, quoi. Yes. C'était pas mal, ça. Bah, lui, il était pas trop clodo, là. Là. Il marque. Là. C'est qui, Jim? Ah, c'est lui. Eh, il est quoi, un truc de métro? Ah, putain, j'aurais dû prendre lui dans le métro, en fait. Plombier, voilà, on sait pas trop, on va prendre le plombier, quoi. Let me go. No, it's way too dangerous to go back now. I left something very important back there. Trust me when I say it's gonna be a big help to us later. I promise I'll be back before you know it. Fine, but I'm not waiting long. Fair enough. Thank you. So long as you realize if it's my ass or yours, you can bet my ass will be the first out the door, baby. Oh, ce Duke Nukem low cost, quoi. What? Ah bah attends, c'est le truc Tricel. Ah non, voilà. What? You all right, buddy? Yeah. Thank you. Wait a second. She's human. Carter. Encore un labo de Umbrella, ils sont vraiment partout, quoi. Implantés dans toute la ville. Et ben, il y a eu un message subliminal, là, on n'a pas eu le temps de le lire. Hein. Il y a eu un truc. You're here for the sample too, right, Linda? Yeah, now let's take that and get the hell out of here. You might want to get moving there too, stranger. Of course, you could always come with us. We got a helicopter waiting. What's going on? Some kind of alert? Something's wrong. We should check it out. Not now of all times. Ah, il est louche, lui. Avec sa petite coupe au bol, là. Ah, je sens que ça va être l'angoisse, ce truc. Waouh, déjà, il donne 1 milliard de soins dès le début. Ça annonce déjà du lourd. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Qu'est-ce que vous avez sur vous? Je prends un soin. Ouais, on est des bonhommes, on prend pas de soin. Ok. Pff, allez, on a pas besoin de soin, c'est bon. J'ai tellement envie de finir ce jeu. Là, il va me choper le cul ou quoi? Non, mort son coup. Ok. Waouh, il va avoir des handpulls. Il y a du sang sur les touches. Ouais, voilà, c'est facile alors, non? 4, 8, 9. Je peux rien faire. Pas pour le prochain. 4, 8, 9. Tentons 4, 8, 9. Je peux pas là? Il ouais, faut que ce soit bientôt le 4, 8, 9. Oh putain, sois pas con. Parce que je vais l'oublier. 4, 8, 9. Vous avez chopé des trucs depuis? Ouais, c'est quoi ça? Ouais, mais c'est de la merde. Ah, j'ai déjà oublié le code 489. J'aurais peut-être dû le noter. Hein. Ah, c'était tellement pas prévisible. On se casse. Parce que j'ai qu'un flingue, mec. Un hunter au flingue, je sais pas si c'est efficace. Hein. Bon, trouvons des trucs stylés.
Ah, bah ouais, vas-y. Examination room, ok. Hey! Ouais, mais c'est le 489 là, mais j'ai déjà oublié. Putain, je vais noter 489 parce que je suis même plus sûr que ce soit ça. Hein. Ça va quand même le noter. Alors, avec l'usage du volet anti-incendie, le volet anti-incendie se ferme. Ouais, bah oui. Ah là, tous les complexes utilisent le même code d'accès. Par mesure de sécurité, le code change tous les 24 heures. Le personnel trouvera le nouveau code chaque matin sur son ordinateur. Ouais, mais là c'est bon puisque l'autre il a marché. Ou bien il y a. Ou c'est une arnaque. Et genre, les 24 heures sont passées, on est dans une transition des 24 heures. Ce n'est pas impossible. J'aime pas où je vais, j'ai pas de shotgun et il y a un putain d'hunter là. Ah non, il est plus là. Tu vas pas me dire que vous l'avez schnippé quand même. Oh bah, respect. Putain, plus j'avance dans le jeu, moins ils sont cons quoi. Ouais, mais on va où là par contre? C'est bien beau de me donner une clé, mais si je peux pas. Ah, bah peut-être qu'on pourrait avec ça. Peut-être. Ce serait ridicule, mais pourquoi pas. Salle de vision, là. Je sais pas où c'est. Oh, c'est quoi cette merde? Je peux ouvrir là avant que ça parte en couille. Ah, je pensais que je pouvais feinte. Mais c'est bon, je feinte quand même. Ok. Putain, ils ouvrent les portes, les cons. Ah, ça va être le scénario. De l'angoisse absolue. Bon, alors là, je peux toujours pas ouvrir parce que forcément. Level 1. J'ai pas de carte. Je me suis fait toucher par quoi là? Ah, on peut peut-être fermer là. Mais level 1, c'est bon là. What the fuck? Putain, c'est la porte du début. Je l'avais oublié cette porte, je viens d'y penser. Ah ouais, la porte du tout début là. Idioman. Là. Ah ouais. Réfléchis un instant. Bon sang. Et qu'est-ce qu'on va examiner exactement? Ah, on va examiner la black. Il y a des hunters dans. Ouais. On va peut-être quand même prendre un petit soin là au passage, je sais pas. Ouais. À propos de machin, le réactif a pour rôle de ralentir la propagation du virus T chez l'oxygène infecté. Donc ça, il faut que je le bouffe. L'AT ne produit d'effet que chez les sujets n'ayant pas présenté de symptômes du virus. Ce dernier ne quitte pas le sang, mais il est atténué et sa progression est ralentie. L'AT a eu 99,91% de succès sur les rats de laboratoire. Face au virus T, qui n'a aucun remède, il s'agit du seul moyen de contrôler et neutraliser son avancée. Vous trouvez ici plus d'infos sur sa composition. Ces renseignements ne peuvent quitter la société qu'en cas de force majeure. Michael R. Jenkins. Des dizaines de pages sont jointes. Elles sont pleines de jargon médicinal, blablabla. Okay. Ah, mais peut-être qu'on va avoir un mot de passe de qualité. Non ? C'est quoi un truc de dentiste? Bon, je peux avoir un point de save aussi. Oh non, mais il recommence avec ses saloperies. Hein. J'espère que j'ai pas des trucs à acidifier là. C'est quoi ça? Ah, grise! What? Je m'en fous, c'est des trucs à jeter là. Non, genre ça brûle le truc et tout. Ça, c'est des cocktails molotov le bordel. Ok, bon, je me le casse parce que. T'as peut-être un cocktail comme ça sur le Hunter. Hey, j'ai pas la carte, garçon. Ah, est-ce qu'on fait une tentative Putain. J'ai pas les couilles. J'ai un petit pipi. Ah.
que c'est que cette merde. Donc si je serais là, je serais monté. Waouh, c'est grand. Hein. Oh là là, oh là là là, oh là là. J'aimerais un point de sauvegarde, comme ça si j'ai un point de sauvegarde, je peux sauvegarder, on peut visiter si ça tourne mal. Je peux reload. Ouais, allez, vas-y. Oh, oh mon dieu, ça va tourner mal. Ça tourne mal. Allez, je sais pas si les... On va tester. Ouais, ouais, ça c'est propre, ça. Putain de hooligan. Ça l'a schnippé. One shot. Non. Non. Oh, il me faut des trucs gris de ouf. Setting screen, réglage, oh ça va être une énigme. Puissance maximale, 70 180 120. Et ok. Bah ouais, bah je peux pas l'utiliser, ça marche pas, bah on reviendra. Hein. Je suis à combien en... Non, 10%, ça va. Ma plus grande hantise, c'est d'être à 100% et de softlocker le jeu. Et que je dois recommencer tout. Bon, allez, lui, je l'ai bien schnippé. Ok, non, c'est par là. C'est fermé. Ah! Est-ce que le code va fonctionner? Si j'ai le bon. Ce qui est moins sûr. Moi, j'ai noté 4, 8, 9, mais je crois que c'est ça. Ah merde, je peux même pas le faire vraiment. Légit. 4, 8, 9. Alors, je suis pas sûr que ce soit ce code, mais je suis quasiment sûr. Je suis dans le doute quand même. Mais ça a dû changer là, l'histoire des 24 heures là. Je me suis pris un prank. Ah, salut, Devil. Comment ça va? Ah, mais il revient! Ou c'est un autre encore ça? Et par contre, franchement, ça c'est la vie, hein. Les gray chemical bottle. My favorite weapon. Hein. Regarde ça, c'est magnifique. C'est tellement beau comme arme. Je sais pas, ça doit lui envoyer de l'acide sulfurique dans la gueule ou quelque chose. Ça le one shot le bordel. Peut-être faut que j'en trouve d'autres. Putain, mais j'ai pas le code là. 4. Mais fuck. Est-ce qu'on a tout fait là? J'ai fait partout, je peux aller nulle part. Ah, descendre. Si, je suis descendu là. Non, parce que c'était fermé aussi par le truc. Là, c'est fermé. Putain, je me suis peut-être planté en regardant le truc des codes. Ou il y a le code quelque part et je l'ai pas vu. Ah, qu'est-ce que t'as? Pas qu'ils ont récupéré des trucs stylés. Non. Ce qui m'emmerde, c'est tourner pour rien. Et perdre du temps. Ah, pote, ah, c'est chaud, hein. Ah, j'espère que bah, ça ira, hein. C'est jamais un. C'est jamais super, hein. Je sais pas. Bon, je vais une fois revoir le. Ah, je crois que le volet est ouvert maintenant. What the fuck? Ils font quoi avec les... Putain, les mecs, ils rentrent, ils sortent là-haut. C'est pas un moulin ici. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il faut? Calmez-vous. Ah, vous avez des trucs intéressants, non? Bah, je sais pas, on va essayer de revoir. Hein. Faut que j'aille revoir le truc. Hein. Faut la créer. Hein. Bon, allez, on va revoir. Est-ce que... Mais non, mais c'est ça le code. Ah, mais je suis con parce que c'est pas forcément 4, 8, 9. Ça peut être 8, 9, 4. Ça peut être. Oh, idiomane! Oh là là, aucune lucidité.
Bon, ça va, le truc, il avance pas trop vite, le temps, je trouve. Faudra voir si les bouteilles jaunes, ça nique aussi les hunters. Donc on va tenter. Non, c'est pas là. Ok, on va se dépêcher quand même parce que là ça traîne. J'ai essayé celui-là du fond là. Alors, on a dit quoi? 4, 8, 9, c'est de la merde. On va essayer, je sais pas, 8. 4, on va faire ça dans l'ordre comme ça on sait. Donc 4, 8, 9, donc on faut faire 4, 9, 8. Ok, après on va faire. Ouais. Après on va faire 8, 4, 9. Oh le lucky! Oh là là, le cul bordé de nouilles, c'est magnifique. C'est magique. Mais j'ai oublié le code que j'ai mis, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'il y aura d'autres portes. Il y a un truc. Un point de save, s'il vous plaît. Parce que ça fait quand même 20 minutes là, ce serait quand même sympa qu'on puisse sauvegarder une fois. Oh là là, plus ce genre de saloperie là. Pourquoi la plante elle est comme ça là? Ouais, je vais tenter de toucher cette merde, je vais crever, je tente même pas. Ah, on est de l'autre côté de ce truc, d'accord. Mais là, il va avoir une arnaque à faire avec un boss ou quelque chose. Ah là, on dirait que ça souffle ce truc. Il faudrait que je prenne la... T'imagines, c'est une connerie comme ça, genre la plante elle gêne. Putain, dans le doute, hein, je la bouffe. On laisse rien là. Genre warning, il y a un objet stuff in the platform. Please evacuate. Ouais, bah retourne. Évacuons. Suivons la masse. Salut Léon. Comment on va par cette belle soirée de juillet? On va? Où va-t-on? Qui suis-je? Alors, c'était quoi? 8, 4, 9? Ouais, c'était ça. On est nice. Oh putain, mais lui, il est plat. Putain, il a le cul plat, lui. Putain, mais comme jamais, quoi. C'est quoi ce cul plat de fou, là? C'est dit... Il ressemble à rien ce sprite. Putain, on dirait un sprite PS2 quoi. Ils l'ont récupéré de RE1 ou quoi. Oh, j'ai pris le shotgun. Mais là j'ai quand même envie du shotgun. Parce que mais en même temps mais j'ai l'impression qu'il y aura que des hunters ici. Mais je suis un fou. Ah. Ah ouais, mais attends, je sais pas quoi faire. L'angoisse est absolue. Là c'était fermé, pourquoi là? Ah, parce qu'il y avait les lasers. Comment je peux les ouvrir les lasers? Là maintenant je peux pas. Ah, je peux peut-être aller là. Non, c'est une clé je crois. Mais moi ce qui m'angoisse vraiment, c'est que j'ai vraiment 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 pas de point de sauvegarde et qu'on perd du temps. Et je sais pas quoi faire. On va bien visiter toutes les salles je crois. Donc là c'est fermé parce que la vie. Non mais vraiment ce mec quoi. Mais il a plus de bras non plus, enfin il a plus de pieds, il a plus rien quoi. Je sais pas, c'est un sac quoi. Bon, attends. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu. De toute façon, c'est souvent comme ça. Non, mais je veux pas ça. Cette porte, tu es allé dedans là? Ouais. Et là? Faut la clé, c'est ça? Impossible de passer. Ok. Ah, ah là là, ok, c'est pas grave. Allez, bim, tu dégages, tu sautes. Mais par contre, s'il repop tout le temps, ça craint. Ah, mais c'est bon, ça a enlevé les lasers, idiot, je suis sûr. À tous les coups, j'ai foutu les lasers comme un con et je l'ai pas vu. Ok, mais comme je les déchire, les hunters. Un flacon de pisse et les mecs, ils en peuvent plus, quoi. Elle fait une golden shower directement à même la bouteille. Eh ouais. On va où? Attendez, je suis déjà perdu, non, il faut revenir là-bas. Ah bah non, c'est vous qu'on va alors. Par contre,
contre, j'ai niqué beaucoup trop d'Hunter parce qu'il s'y repop. Moi, je sais pas, il repop peut-être pas. Hein. Oh, il m'a fait peur, le gros. J'ai cru que c'était Hunter. Qu'est-ce que t'as sur toi? Alors, comment on fait? Donc, c'est là. Ok. Sauvegarde dans la prochaine pièce, je vous en supplie. Oh, je sais pas si c'était timé, mais si c'était vraiment timé, que c'était pas scripté, j'ai eu beaucoup de chance. Oh, mais il y en a trop, les gars. Parce que maintenant, j'ai plus de bouteilles, là. Oh, ça l'a pas schnippé. Mais non, mais fais pas ça. Oh, fuis. Mais non, mais je m'en fous. Là, il va mourir, de toute façon, vite. Mais t'es sérieux, il meurt pas pour... J'ai envoyé une bouteille de pisse. Non. J'ai mal? Oh, ça va. Putain, attends, depuis le début, les bouteilles de pisse, ça les one-shot, et là, que dalle, quoi. C'est quoi cette merde? Ah, tout ça pour ça? Non, c'est bizarre. Non, il a un truc stylé. De type carte. Carte à puce. Hop, elle est là, là. Pour faire le tour du monde. Ah, d'accord, je reviens ici. D'accord. Après, je peux aller là, alors. Et on peut... Ah non, là, on était déjà... Ok. Oui, bah, vas-y... Oui. Oui, j'ai dit oui. Putain, il faut se mettre sur le truc, hein. Salaud. Oui, bonsoir, monsieur Robin. Comment va... la femme, les enfants? Bon, par contre, faut me donner un point de save, je suis énervé. Il y a, c'est bon, il n'y a pas de... Okay, on va faire ça comme ça. Combien de temps 25 minutes. Ah, je peux revenir là et tout. Hein. À tous les coups, il va y avoir un truc stylé ici, forcément. On va déjà se calmer. Ouais, on va se calmer déjà, première vue. Il n'y a rien d'autre, hein. Je vais préparer tout de suite le fusil à pompe, hein, parce que s'il y a du Hunter... Hein. Ah oui, on est là. Alors soit je vais d'abord en bas, là. Je sais pas, on va continuer vers le haut d'abord. Ah, c'est fermé via des flammes. Ah ben là c'est fermé aussi, pourquoi c'est fermé? Un level 2 dans une connerie comme ça, non? C'est pas une level 2? Non, level 1, bah vas-y. Je fais un point de save. La sécurité, le gros, il cherche des donuts, je sais pas. Il cherche les restes de donuts. Bon, save. Putain, ça ressemble jamais le live. Putain, t'imagines ces scénarios, il n'y a pas de save. Faut tout finir d'un trait sans crever. Oh, j'aime pas ça. Je vais prendre un soin. Dans le doute. Par contre, j'aurais peut-être pu prendre autre chose que... Ok. Oh là là, il y a un cassos. C'est un cassos quelque part, on l'entend. J'ai un micro high-tech. Mais non, mais sois pas con. J'ai un casque high-tech, j'entends le moindre petit son. Et là, j'ai entendu qu'il y avait des hunters. Arrête de faire des bruits d'Hunter, toi. Non, mais je peux te dire, il y a des Hunters quelque part. Je les ai entendus, alors peut-être autre part. Mais... Ok. Ouais, c'est qui? Ah, mais c'est le mec louche. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais activer le tyran. Mais il y a tout de s'inquiéter, là, mon gars. Alors il va prendre le tyran pour tuer les hunters, mais sois pas complètement con. Oh, il veut une ammo disque. Eh ben, je veux bien, mais tu me donnes un point de save.
ce que c'est. Mais non, mais oh là là, ça c'est de la merde. Ça c'est de la putain de merde. Parce qu'après, tu sais pas quel fichier. Tu peux pas juste le laisser sur la table. Ça doit être ça. Hein. Non, ça on l'a déjà lu. File. C'est ça. La pression, j'ai pas envie de dire. Insérer le MO10 du programme d'activation dans le bon terminal. Pour mesure de sécurité, le disque est crypté à l'aide d'un code secret. Vous allez décoder dans la salle des informatique avant insertion. Donc ok, dans la salle du informatique. C'est important. Il y a peut-être nuance sur les mots. Présentation de l'expérience. Le combat contre les Hunters permettra d'évaluer la résistance de T aux blessures et de tester l'efficacité de son programme de contrôle. Remarque supplémentaire. L'expérience ne peut être réalisée que dans les conditions optimales de la salle d'expérimentation. En dehors de ce cadre, aucune garantie de sécurité ne peut être faite. Ok. Je veux un point de sauvegarde. Ça va me hanter si j'en trouve pas, c'est quoi ça? Ah bah voilà! Bon, il faut que je retourne dans la salle du tout début, je crois. D'accord, et après ici. Ok. Très bien. Non mais sérieux, le mec va activer les tyrans, quoi. Normal, tout va bien. Je suis où là? Ah bah voilà, suffit de pleurer. Qu'est-ce que c'est que ça? Light room? Give me a light, please. No. Oh, enfin une save. Après une demi-heure. Bon, comment on est 25%? Bon, je pense que ça va. S'il faut juste trouver le truc et après buter le tyran, là, ça peut le faire. Je suis pas spécialement perdu, on est bien. C'est pas trop labyrinthique. Ah. Ah ouais, mais putain, elle est efficace quand même. Oh, mais il y en a trop! Vous êtes fous quoi! Je sais pas où je suis, je sais pas qui je suis. Ok, mais faut que je m'en occupe parce que là je pourrais pas regarder le truc. Ah, coup de pied, maintenant je me suis trompé. Ok, coup de pied. Ça va. Putain, le pire c'est que ça marche quoi. C'est Hunter Locust, c'est quoi ça? New paper. Ah mais ça j'ai encore besoin, si je vais encore en avoir. New papers. Non, mais ça me sert à quoi ça? On s'en fout. Complètement con ce jeu. Bon, save. Faut que je save. Attends, alors là. Moi je viens de là alors, c'est ça? Je sais plus d'où je viens. Et j'ai rêvé ou j'ai un truc qui a popé? Ah mais ils pop comme ça les Hunters, mais fuck! Ouais non mais là il y a... Yangui. Non parce que là il y a quand même un peu tricherie. Ça va pas être possible. Non mais c'était pour faire des pop. Ok, je peux passer par là. Ça passe bien là au shotgun, mais j'ai pas beaucoup de balles. Hein. Je peux bien en tuer un ou deux, mais après, j'ai 3 balles encore. Je peux encore m'en faire un ou deux, quoi, avec un peu de chance. Si je me foire pas. Ok. Bon. C'est que ça. Ah bah voilà. Peu d'alcool. Shotgun round, alors ça franchement. De toute façon j'ai même plus le flingue. Parce que celui-là c'est pas. J'ai carrément dégagé le flingue, je n'ai pas fait gaffe, bon c'est pas grave. On reste au fusil à pompe. Ah oui. Super. Let's move. Non. Super, bah on ramène le truc, on encode avec le code B et puis on termine cette merde. C'est ça? Ça c'est pour... Mais ça recover quoi? Ça recover la santé ou ça recover... De toute façon on reviendra plus jamais là, alors autant prendre des pilules. Putain moi je vois des pilules, j'ai les bouffes. Ah ouais. C'est tout? Je crois qu'il faut quand même que je garde encore l'idée. Il y a d'autres portes, dans le doute.
Bon bah voilà, bah on se casse, on rentre à la maison. Oh là là, on va essayer. Oh ouais, les esquives, c'est bon, c'est mort. C'est là qu'il faut aller, je crois. J'imagine qu'il repop à l'infini en fait. Ok. Ah, quand même une tête de gagnant. Hein. On se fait une save, allez, on se fait une save. Prenons pas de risque. Ouais, elle va parler à Claude Man là, 10 déconner, donne-le-moi. Ah bah c'est bon, c'est juste bon. Où tu voulais les AB Ah. Après il va me dire qu'il veut le B, putain. Allez, bonsoir Raffevi mon pote ça. Ok. I've reprogrammed it to take out those amphibian monsters. Ça va chier des mandibules. Comment il va Raffevi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu moi. Waouh, mais c'est même pas, on dirait un tyran noir. Pourquoi pas? Mais c'est un Mister X, vous dites pas de la merde, c'est pas un tyran. Mais c'est vrai que Mister X, quand tu regardes bien, il a un peu une tête, un peu de... comment ça s'appelle là, les blacks qui sont blancs là? Putain, j'ai oublié le mot. Et albinos. C'est vrai que quand tu regardes, il ressemble un peu à un albinos. C'est peut-être un albinos, hein, Mister X, en fin de compte. Un albinos black. Pour être plus précis. He knows who his masters are. But that's not all. I packed in a special little... Ah ouais, je vous ai dit là, le codéine là, il était pas net celui-là. Depuis le début, je l'ai vu, dès que j'ai vu sa tête avec sa coupe au carré là, la codéine, je sais ça va pas le faire. Weapons are only so good in as much as you use them. What a masterpiece. Yeah, let's just get out of here, okay? Allez, c'est Michael Jackson X. Mister Jax X, je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est toujours le problème du jeu, on dit de faire des choses, mais ouais, il faut que tu le découvres par toi-même. Regarde, qu'est-ce que je fais là? Ouais, ça veut dire quoi maintenant? Ma vie, c'est de la merde ou ça se passe comment? Ok. Ok, bah je pense qu'il faut que j'aille lui péter la gueule. Hein. J'ai pas eu excessivement de munitions. J'ai vu qu'il y avait un flingue là. Peut-être le prendre quand même. Même si j'en ai un deuxième, j'ai jamais les munitions. Bah, je sais pas. On va essayer de descendre, je sais pas. Hein. Faut que je finisse ce scénario. Hein. On peut faire encore là, j'étais allé voir. Ah mais il y avait pas le... bah oui, bah là. Et... mais ça c'est bien contre les hunters, putain. Mais il y a plus d'hunters. OK ça. Ouais. Mais... je sais pas s'il faut que je lui pète là. Je sais pas quoi, c'est le problème un peu de ce jeu, c'est qu'on te dit pas trop quoi faire hein, des fois. Hein. Là il y a un truc qui clignote, je suis pas con. OK. Ouais, bah, je sais pas, le problème c'est que je ne sais pas si j'ai encore besoin de cette carte, je crois pas mais... il y a un soin. Bah. Est-ce qu'on essaye de revenir au début ou à des salles que j'ai pas faites? Parce que c'est bien beau, mais qu'est-ce que je fais là en fait? C'est quoi le but? Bah. Il faut que je le tape ou quelque chose? Est-ce que j'essaie de le buter? Ils ont pas l'air d'attaquer non plus, hein. Si? Mais attends, ils ont des bras bioniques là. Il le tape là ou quoi? Parce que sinon moi je le tente, on la tente. Il fait quoi le Mister X de Mongol là? Ah non, il est parti. Oh, ça me saoule les jeux où tu sais pas quoi faire. Ok, où je suis pas encore allé. Là je peux y aller alors là, dans cette salle là.
je me retrouve en bas parce que je sais pas vraiment s'il faudrait que je le... Est-ce qu'on tente de le buter là? Ah, il apprécie pas quand même, hein. Oh, je suis en train de faire une erreur, il va falloir que je reload. Non, mais il a pas l'air de m'attaquer en plus, c'est ça le pire. Attends, s'il m'attaque pas, je l'attaque pas, quoi. Oh, je comprends rien, ça me saoule, je me casse. Je sais pas où on va, mais on se casse. Non, mais en coop, ça doit être super bien ce jeu. En solo, c'est de la merde. Soyons honnêtes. Ah, mais je peux pas y aller non plus là. Mister X est quand même là, mais je comprends pas qu'est-ce qu'on fait ensemble. Il me protège vraiment en fait, hein. Ou pas? Oh, je sais pas. Ouais, en position, je sais pas, mais attends. Qu'est-ce que je peux faire dans ce jeu là? Alors, attendez, où on est? On est là-dedans, d'accord. Je peux descendre. Ah, bah, je peux descendre, on était jamais en bas. L'autre s'est fermé, je peux pas y aller. Bah, on va une fois essayer de descendre, hein. Toi-en pendant que je regarde. Voilà, ça c'est le GG. Et on fait quoi là? On va au bout. Au bout de la vie. Oh, on s'en fout. Enfin, on s'en fout dans une moindre mesure. Et quoi, le mur est abîmé peut-être qu'en utilisant un outil. Oh non, ça commence ces conneries. Ok, il a GG, il a GG. Mais ah mais il m'a mis une de ses pastèques le mec. Je sais pas, j'aimerais voir là. Parce que si je mets un coup de pied ou quelque chose. Non mais putain, maintenant il va viser lui comme un connard. Ah ouais. C'est un peu la merde. Et putain, il fait quoi le Mister X de merde là? Je m'en fous, je vais essayer de taper là-dedans là. Non, ça marche pas, comme ça. Ok, ça marche pas. Putain, j'ai niqué toutes mes balles sur des conneries là. Ils ont des soins à gogo les anus. Putain, je sais pas, il faut pousser le truc a priori là. Il va y avoir une arnaque là. Tu la sens l'arnaque là? Pour un outil, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme outil à part une barre de fer ou quelque chose? Je tape dessus. Il s'est fait rectifier. J'ai faim. De ouf. Ouais. En attendant, prends. Qu'est-ce qui se passe? Oh l'idée de merde! Oh l'idée de cassos! Allez, mais tu dégages, hein, tu sautes. Une acide dans la gueule direct. Ouah, l'acrobar! L'acrobranche. Allons faire de l'acrobranche. Putain, mais ça, j'ai plus besoin, on est d'accord? J'ai trop d'armes. Putain, j'espère que j'en ai plus besoin. Tu vas me dire à tous les coups, il va falloir que je revienne. Je vais en avoir besoin, ça va me faire chier quoi. Ah, il y a des balles là, c'est quoi comme balle ça? Mm-hmm.
suis où là? Putain, moi j'ai continué ma vie. Non mais il faut aller là, mon gars. Faut retourner là, là il y avait un truc important. J'ai envie de faire une mini pause là, il faut que je bois, j'ai trop soif, vous pouvez même pas imaginer. Il fait tellement chaud chez moi là. Pourtant j'ai pas eu un été de fou. J'ai entendu pas mal de gens se plaindre qu'il faisait super chaud quand même, mais franchement moi cet été je sais pas si j'ai pu supporter que d'habitude. Ouais ça allait. Mais là ce soir il fait super lourd. J'ai envie d'aller boire une petite boisson démoniaque là de type eau. Parce que j'ai que ça. Alors. Wow, mais ce jeu est génial. Salut Workos. La bonne recherche spécialisée. Mais on sait pas ce que le problème, c'est que je ne sais pas ce que je fais. J'avance tel un petit chaton là en découverte de la vie, mais. Je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, je sais pas, bouffe-le. Ah, je peux pas le bouffer? Ah non, bah je m'en fous alors. Les gens malades, ils ont qu'à crever. Aïe, 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 aïe. Sorte d'équipement. Super. Pourquoi il m'a dit Kevin, t'as quelque chose à me donner? Si vous me donnez, là, bah, je m'en fous. Carter, ta télécommande est prête, ça n'a pas été une mince affaire de réguler les fréquences pour ne pas être perturbé par les autres machines. Comme je t'ai expliqué, tu dois être à moins de 1m83 de la cible et enfoncer chaque bouton 2 secondes. Ok. Chaque bouton 2 secondes. Ok, on s'en fout. Je sais pas, je dois faire un truc là. Ah, ça par contre, on prend. Voilà, crowbar, là, je vais plus en avoir besoin. Hein. Fente pour MO-disque. Ah non, il faut que j'aille chercher une MO-disque. Qui est chez Clodo, là? Oh, il faut que je revienne chez Clodo. Attendez. On arrive où, là, si je vais là? C'est la sortie, ça, alors? Ok. Okay. Ouais, il faut qu'on retourne au point de save. C'est pas plus mal, comme ça je peux sauvegarder une fois. C'est des quoi? Des shotguns, ça? Non, c'est des auto. C'est quoi, 45 auto? Ah, c'est pour ce flingue, je crois. Première fois que je trouve des balles pour mon flingue. Bon, je pense qu'il faut que j'aille chercher la MO disquette. Hein. Point pour MO disque. Mais le truc qui est bizarre, c'est qu'il me le met pas en vert. Généralement quand c'est important ils te le mettent en vert. Mais oui, moi je viens de le... Mais alors si short ça m'emmène. Ah d'accord, de l'autre côté où il y a... Oh là là là, d'accord, je comprends tout. Je comprends tout. No stress. Il va y avoir du feu. Ah, je pense qu'il faudrait que j'aille chercher une MO disque. Comment vous avez fait pour être là, les mecs? Level 2. Mais je pense que de toute façon, le level 1, maintenant, je l'ai dégagé. Hein. Mais je pense plus que j'en ai besoin. Enfin, j'espère vraiment que j'en ai plus besoin, quoi. Ok, bon. On va retourner chercher une MO disquette, là. Je sais plus trop où c'est, mais bon. Déjà 40%. Hein. Putain, je sais pas où c'est. Je suis en train de prendre des risques. Putain, je peux pas. Je peux même pas regarder la carte, sinon je vais me faire rectifier.
Alors, je suis là. Là, c'est fermé parce que donc il faut que je descende. Non, il faut que j'aille là à côté. Oh, je suis déjà nouveau perdu, c'est affreux. Ça, vivement qu'on a un Call of Evil là, parce que j'en peux plus là. Faut des jeux où je réfléchis pas là. RE5, ce sera très bien. C'était là, hein? Ok, c'est bon. Prendre la MO disquette, on va faire une save. Faire une mini pause parce que j'ai envie de jouer toute la nuit. Il faut que je finisse cette merde, c'est important. Donc je pense que je vais faire le fou, mais il faut que je me mette en condition avant. Donc il faut qu'on fasse une petite pause de 10 minutes. Ouais, c'est ça. Justement, un jeu où il faut pas réfléchir. Mais tu sais, je vais jouer avec... normalement, je le fais en coopération avec Yuichi, donc... malheureusement, je pense qu'il va falloir que je réfléchisse pour deux. Donc... ça risque d'être compliqué quand même. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on se passe? C'est une pause... MO10 Room. Allez, bon, je continue encore un petit peu. Je vais aller tester la MO10 Room. Je crois que je vais même faire un café. J'ai même une idée encore plus lucide. C'est que je vais faire chauffer l'eau du café. Comme ça, ça va encore plus vite. Ah ouais, pause. Juste appuyer sur un bouton, ça va aller. Je pense. Lucide comme un lion, les gars. Ah, parce que ça, après, je fais une pause, j'appuie sur le bouton, j'ai mon café, en 2 minutes, il est bu, quoi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais pas voir, je veux... Rendez-moi ma liberté. Bon, je sais plus où aller. Ah, ouais, ça qui est facile, tu vois, c'est une ligne droite, le bordel. T'avances, tu bourres tout, ouais. J'ai fini plein de fois L5. Après bon, je dis pas, ça dépend le mode de difficulté. Peut-être que en professionnel, je crois que j'ai jamais fini en professionnel. Peut-être que c'est dur. Mais je veux dire en mode normal, c'est pas dur. De toute façon, on le fait en vétéran. On va le faire en hard, le 5 tout de suite, direct en hard. Alors, on va pas mettre mode expert professionnel SIA. Je sais pas s'il est directement. Je sais pas où je vais. Non mais je suis au bon endroit. Ok. Oh, on est bon. Enfin je crois. Ah merde, non, on est pas bon, c'est là qu'il fallait aller. Ah non, mais je suis complètement pas bon. Mais pourquoi là c'est fermé? Pourquoi c'est... C'est jaune fer... Mais non, ok. À côté. Ah non, il faut que je prenne... Oh là, je sais plus. Non, il faut que je prenne le passage de Mongol. Il est où ce passage? C'est bon, celle-là, c'est sûr. Oh non, mais ça craint quand vous ouvrez... Oh, mais c'est le G... Oh putain, de cette strat speedrun. Là, c'est... World Record Pace, si t'as ça. Cet RNG démoniaque qui t'ouvre les portes, quoi. Ah, c'est génial. Du speedrun sur ce jeu. Oh, j'ai peur. Je sais pas où il faut aller. Ça m'énerve. Ah.
c'est bon. C'est la prochaine porte. J'ai du mal à me repérer dans les espaces. C'est compliqué. Voilà. Ok, on est bon. Je suis à combien de pourcents là? 50 déjà, hein. Oh là là, mais il se passe des trucs dégueulasses. Et tout ça pour me dire que c'était de la merde. C'est pas impossible. Hein. Parce qu'il me l'a pas mis en mode couleur, genre... ouais, c'est marqué M10 mais pas en couleur. Ah, j'ai encore ça. Vas-y, prends. Voilà. C'est ce que... je me doutais. Alors, est-ce qu'il fallait que je la mette en mode B, machin? Je vais reload et je vais peut-être faire une carte B. Parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Ouais, je vais reload. Heureusement que je suis allé sauvegarder. Il y a une lucidité dans l'acte, là. Ah, ça va le faire. R5, c'est facile. Je sais pas, moi j'ai dit... Moi, c'est simple. Maintenant, il faut aller chialer. En fait, je vous donne une tâche, une quête. Vous avez une quête, c'est important. Il faut aller foutre la pression à Yuichi pour commencer RE5. Parce que moi je lui ai dit, on peut faire RE5 à partir de maintenant, c'est bon. Et on sait comment est Yuichi, hein, en mode ok, demain, après-demain, après-demain. Donc je lui ai dit tout de suite là RE5 parce que là il reste 3 ou 4 jeux avant d'être à RE5. Donc j'ai prévu le coup en avance. En me disant bon, si je lui dis 2-3 jeux à l'avance, peut-être que quand on arrivera à RE5 on sera bon, on n'attendra pas. Donc il faut lui mettre la pression pour qu'on joue à RE5. C'est important. Mais bon, à la vitesse où je vais, mais bon, comme j'ai dit, après le 18 juillet, normalement ça devrait carburer, on finit cette merde. Parce que là, je sais même pas ce que c'est le prochain jeu. Je sais qu'il y a un Umbrella Chronicle machin là sur Wii, et à la version DS de RE1, et après je crois qu'il y a RE5, il y a 2 ou 3 jeux avant, donc qu'on verra. Bon, est-ce que je fais juste une petite pause? Non, il n'y a pas de cowboy. On va laisser la cinématique de départ. Ouais. Donc on verra. Ouais, mais moi ça serait bien que je puisse goupiller ça bien, quoi, quand j'ai fini, qu'on commence à RE5. Après, comme on dit, si on le commence avant, on le commence avant. Parce que c'est toujours un peu la merde, hein. Les coopérations. Faut se mettre d'accord et tout. Non, mais je voulais pas re-sauvegarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Si on sauvegardait. Ben non, jamais. De toute façon, pourquoi tu te demandes de sauvegarder? Ben sauvegarde alors, tu vois, si tu me demandes de sauvegarder. Ah, parce que j'ai quitté, donc ça compte comme une mort ou une connerie comme ça. Bah, ORC, normalement, c'est OP. Hein. ORC, j'ai regardé avec tout le monde. Tout le monde a le jeu. Tout le monde a les DLC. On a tous le jeu Steam. Et normalement, il n'y a aucun problème. Après, pareil, il faut qu'on se trouve un moment. Moi, je leur ai dit aussi pareil, hein, quand vous voulez. Parce que là, se mettre d'accord à 4 joueurs, c'est déjà un peu plus compliqué. 2, t'arrives à te mettre d'accord. 4, c'est chaud. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais jouer à 4, pour être honnête. Parce que déjà, les jeux multi, genre Call of, j'y joue pas. Et en plus, c'est pas vraiment de la coopération en fin de compte, tu te tapes sur la gueule. Mais jouer en 4 en coopération, je crois que j'ai jamais joué à 4 en coopération. À 2, ouais, plein de fois, mais à 4, ça va être l'enfer. Ah, mais à stop le timer. Bon, normalement, il devrait foutre la cinématique au bout d'un moment. Hein. Attendez, est-ce qu'on peut pas la foutre ou quelque chose avec collection, comme ça. Conversion des données, what? Attendez, je découvre des choses. What the fuck? Eh? Transférer les données collection. Ah, d'accord. D'accord, tu peux faire un... D'accord, bon, on s'en fout, mais... Ah ouais, Left 4 Dead peut-être, ouais, sur Left 4 Dead. Ouais, j'ai joué vite fait. Hein. Mais je vais pas jouer en réseau, il y aura personne en réseau, réfléchis. Arrière, fuis. Ah oui, bonsoir, Kylio, pardon, j'ai même pas vu que c'était Kylio, comment tu vas? Ça va, moi, ça se passe. Je suis en train d'essayer de trouver des choses.
Je vais dans toutes les options sauf les bonnes. Left 4 Dead, ouais, j'ai joué vite fait. Le 2, j'ai jamais joué. Le premier, j'ai joué sur la 360. Sûr. Donc j'ai dû y jouer à 4. Mais quand je parle vraiment jouer à 4, c'est 4 personnes consentantes. Voilà, un gangbang consentant, quoi. Voilà, que tout le monde est d'accord, qu'on se mette d'accord une heure précise. Là, c'est des randoms. Quand tu joues à Left 4 Dead, là, tu joues avec des randoms. C'est pas pareil. Temps de jeu 4 heures, alors que j'en ai passé 10. Mais on peut vraiment pas voir. Ah si, peut-être. Putain, je voulais vous lâcher une petite cinématique là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah voilà, suffit. En fait, il fallait quitter. Bah, elle va venir la cinématique. Allez, des bisous, je reviens dans 5 minutes. L'eau du café est chaud. 2. Je me crame la gueule et je reviens. Ça, c'est de l'échangiste, Laurent. C'est un peu ça, voilà, c'est ça. Bon, allez, des bisous, à tout de suite. Et on finit ce scénario au moins. Peut-être le jeu, hein, je ne sais pas.
Oui, bonsoir. Bon, allez, on peut continuer avec le Dr. Tubo des parties. Qu'est-ce qui se passe? Oh shit. Oui, bonsoir, femme objet. Quel pseudo délicieux. On continue. Bon, je vais essayer de graver la disquette là. Je suis en train de réflexion, voilà, j'avais plus quoi faire. Ok. Mais vas-y, c'est bon, Adobe. Ah, quoi? Mais non! J'ai fait oui. Pas de données? Pourquoi pas de données? Connard, parce qu'il faut faire comme ça? Pourquoi il me dit pas de données? C'est quoi l'arnaque? Non, parce que j'ai fait le mongol du type je voulais insérer des trucs. Mais non. Non, mais si je relance, il va me relancer. Non, c'est hors de question que je recommence. Hein. J'aurais dû faire une save tête, putain, l'arnaque. Ouais, puis j'ai jamais lancé de nouvelle. Oh, mais je me suis fait arnaquer là. Pourquoi je me suis fait arnaquer? Bon, on va essayer de reset. Je sais pas si vous avez encore l'image. Hein. Faut que je regarde. Lancez le jeu. Est-ce que vous avez l'image? Ouais. Ouais, la finale, on gagne. Hein. La finale. Normal. Enfin, je veux dire. Déjà, il y a l'expérience. La croate. Et puis merde, on a déjà perdu la finale de l'Euro. On va pas perdre la finale de la Coupe du Monde. Ce serait ridicule. On va pas être des éternels perdants. La France, c'est des gagnants. On est des winners, bordel. C'est bien d'être deuxième, mais bon, une fois. Hein, après deux, trois fois, ça commence à être relou. Bon, je crois qu'on s'est fait baiser, je sais pas pourquoi, je le sens très mal. Et pourquoi ça a pas sauvegardé? Pourquoi ça a pas sauvegardé? Je dois tout refaire. J'ai pas envie. On va faire un autre jeu. On va faire un Megaman. Là, j'ai pas envie de tout recommencer, là. Pourquoi ça... Est-ce que c'est parce que j'ai fait ça? Mais ce serait ridicule. C'était ça, ou journal perso? Attends. C'était ça, hein. Donner de mode solo. Est-ce, non, c'était pas ça. Il y a un truc là où on pouvait transférer, mais ça peut pas être ça, c'est ridicule. En collection, c'était conversion de données, c'est parce que j'ai fait ça? C'est parce que je suis allé là-dedans, mais en plus j'ai même pas cliqué là-dedans, ça a aucun sens. Ça a aucun sens ce qui se passe. Je t'en supplie. Bon bah je suis baisé. Je peux faire... Attends, déjà si je fais une sauvegarde... Je vais... Mais... T'en vas être malin. Je sais que j'ai sauvegardé un jour, mais je sais pas quand. Et j'ai pas envie de tout me baiser, donc on va refaire une sauvegarde sur l'emplacement 1. Et je vais charger l'emplacement 0. Et je sais pas. Je sais pas ce que ça va me donner. Ça donne rien. J'ai pas eu de... bah, c'est pas super long hein, si on trace, je sais quoi faire, mais franchement, casse-couille. Pourquoi je dois tout recommencer là? J'ai sauvegardé, casse pas les couilles le jeu. Putain, cette arnaque, hein. C'est fini sur émulation maintenant. C'est simple, chaque fois que je fais une sauvegarde qui est censée être légite, je vais faire une save tête. Parce que c'est pas la première fois que je me fais baiser, j'en ai marre quoi. Ah oui, là, ça a aucun sens. En plus, ça fait 10 heures que je joue, c'est jamais arrivé, ça. Ouah, non, ça me prend la tête, putain. Personne n'a envie de tout recommencer, hein. Oh, mais ce jeu de merde. Putain, il va me faire chier jusqu'au bout, ce jeu, je vous jure. Bon, speedrun, hein. Ah, facile. Oh, le dégoût, quoi. Ah non, vas-y, trace, hein, parce que là, je suis énervé. Hein, c'est bon, je vais pas te recommencer à l'infini, là. Punaise.
Ah, j'ai même pas envie de continuer là. J'étais chaud pour finir cette merde et là, d'un coup, ça m'a rectifié direct. Hein. J'ai tout plus envie. Hein. J'ai envie de faire autre chose là. Oh non, mais ça va être trop relou, quoi. Ils sont pas sérieux. Donc, je m'en fous. J'ai pas besoin de flingue. J'ai besoin de rien. Speedrun. Putain, je vais finir. Ça va faire world record, le bordel. Oh, franchement. Je sais même plus où il faut aller en plus. Pourquoi ça a pas sauvegardé? C'est illogique. Ou j'ai jamais sauvegardé depuis le début? Mais si, bien sûr. Bien sûr que j'avais sauvegardé. Bon. Ben, par contre, il faut pas que je prenne les codes ou je sais pas quoi. Hein. Via, je sais pas moi. Là, c'est quoi ça déjà? Un plan, ouais, très bien. Le code il a pas changé, j'espère. Attends, faut que je regarde, c'est là le code. Parce que je crois qu'il y a une histoire de. Voilà, il y a une histoire de random dans les trucs. Donc heureusement que je regarde quand même. Bon, c'est quoi 1, 7, 3. J'espère par contre que les objets ils sont pas au. Ils sont au même endroit quoi. Où le fusil à pompe, je sais plus où il était. Ouais, attention, je tue plus personne, je trace. Hein. Ok. Donc là, je lui parle, elle me fait la vie est belle, j'ai des idées. Hein. Ok, prends tout ce que tu veux. Il y avait rien d'autre là. Hein. Les trucs jaunes, je vais peut-être aller au gris. Peut-être quand même en prendre un au cas où. Après, il fallait faire quoi? C'était là, alors? Il y a le pied de biche, il y a plein de choses. Il y a trop de choses. Enfin. Ah oui, le laser. Ben voilà, déjà, il faut peut-être dégager le laser. Ah, y'a la clé, non, d'abord, là? Non, y'avait pas la clé, là, justement? Si. Ah, merde, il était là-bas, lui. Je sais pas si je récupérais la clé avant. Ah non, c'était ça, ok. Donc, code 1, 7. Est-ce que j'ai noté 1, 3, on va faire dans l'ordre. 1, 3, 7. Si, là on va savoir si les lasers sont timés ou pas en fin de compte. Ouais non mais ça c'est de l'arnaque en boîte. Impossible, impossible de passer. Pourquoi? Pourquoi impossible de passer? Ou c'est lui qui a la clé sur lui? Bon attends je le schnip. Merde je peux pas passer. Oh mais ce jeu il va me casser les couilles.
Vous savez pourquoi il va me casser les couilles? Parce que j'ai déjà fait ça pendant que... Putain, j'ai déjà fait tout ça, j'ai pas envie de le refaire. Et je sais pas où aller, là. Comment on ouvre maintenant cette merde? Attends, c'est quoi ces triples portes, là? Ça m'emmène où, ça? Ok, les trucs, ils sont même pas logiques. Là, c'est fermé aussi, parce que j'ai pas la clé. Ah, c'est l'angoisse. Où est-ce que le laser s'est remis? Parce que je peux pas ouvrir la porte, je ne sais pas pourquoi. Ouais, donc c'est timé, ok. Dans tous les cas. Bah bon, bah on va revisiter tout, hein, comme un connard. J'ai tellement pas envie. Fermé, il faut le truc. Pourquoi c'est pas ouvert? Fallait que j'active un truc pour ouvrir, c'est ça? Ouais, bah je sais pas, on va essayer d'aller vers là alors. Hein. Ouais, ok. Oh, ça l'a pas buté. On avait dit quoi alors? 3-17, hein. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je croyais que cette salle, elle était pas là en fait. Je croyais justement qu'elle était de l'autre côté. Ok, donc on va activer le truc. Et on se bouge le cul. Ah, j'ai plus de race, hein. Save tête quand je sauvegarde. De toute façon, même, c'est même pas. C'est légit quand même. Ça veut dire que c'est des saves de sécurité. Les save têtes de sécurité sont autorisés, évidemment. Et même ça, je le fais pas, quoi. Bah, j'ai tellement pas l'habitude de faire des save têtes, quoi. Je m'en fous, en fait. Et après, tu te fais baiser. Alors, quelqu'un de lucide, normalement, il est sur émulateur, il save tête, quoi. Il save, quoi. Ça me paraît logique. Ah bah à tous les coups c'est parce que j'ai trifouillé dans le truc de données là et il a pas apprécié alors que je suis même pas vraiment rentré dedans quoi. Enfin, je suis rentré dans le menu. Qu'est-ce qu'il veut? Allô? 1, 2. Tu vas pas me dire que c'était le truc. Ouh, c'est quoi cette merde? Ah mais c'est justement la carte. Oh mais laisse-moi tranquille. Putain. Cassos man va. Bon de toute façon c'est nouveau éteint le truc. Mettez là la carte. Sur le temps que j'active tout. Ah bah non, je suis passé. Pourquoi je dis que c'est fermé? Je suis con quoi. J'ai eu une absence. Ouais. Je suis où là? C'est quoi ma vie? Ouais, donc il faut que j'aille là-bas, donc on s'en fout. On trace. On trace, on trace, on trace. Pas le temps pour ces conneries là. Trop vieux pour ça. Oh bah report à Twitch, c'est pas grave garçon, si ma chaîne elle saute, tu sais quoi, bon on fera un Fantomètre 2. C'est pas très grave. Hein?
C'est où? Bah c'est là. Ouais, c'est complètement là. Bon, en fin de compte, quand tu connais, ça va super vite, hein. Mine de rien. Oui. Ah bah tiens, on va en faire une d'ailleurs, une safe tête. On va aller passer parler à Kassosman là, hop, il ramène la... Danana. Je prends une MO disquette. C'est quoi ce qu'il y a là? Non. Ah ça va vite quand même, parce que là j'ai juste à descendre. Faire le truc, revenir. Oh ça va. Bon, ça fait chier quand même quoi, mais bon ça va. C'est quoi ça? Ah le briquet, est-ce que j'aurai besoin du briquet? On s'en fout. Ok. Pourquoi ça a pas sauvegardé avant? Je comprends pas hein. Hop, save tête, ta mère. En plus c'est bien parce que personne le voit, en fait je pourrais vraiment être un escroc. Et en fait faire plein de save tête et personne ne les voit. Mais bon, par contre, après, c'est un peu con parce que quand je vais les loader, vous allez les voir quoi. En fait, je sais pas si c'est lucide. J'ai dit, elle est conne quand même. Par contre, j'aime pas parce qu'il y a des herbes bleues. Donc, forcément, c'est qu'on peut se faire empoisonner par une merde. Ah, j'ai faim, j'ai soif. Enfin, j'ai surtout faim là. Bon, donc il faut se dépêcher de finir cette merde. Oh là là, l'angoisse. Semble que ce soit là. Ok. Shotgun? Shotgun? Ok, shotgun. On est bon. Oh là là! C'est pas rectifier le bordel. L'inter, ils ont l'air un peu cassos. Hein. C'est juste avance et puis ça passe. Après, il faut que je recommence. Il faut que je continue en bas. Enfin, il faut que je revienne. Alors save, on n'est jamais trop prudent. Parce que je vais tenter un truc de type foot le truc, l'AMO disque. Réécrire le truc B là, c'est bizarre ça. Alors, ouais parce que c'est là. Data code B peut être ajouté aux données du code A. Vous avez obtenu le code B. Ok. Et c'est mieux d'avoir fait ça? Parce que ça va, je l'ai pas fait ça. Ouais, bah ouais, tiens. Ah ouais, je sais pas, c'est peut-être mieux. Hein. Je l'avais pas fait ça. J'avais fait que le code A. Il a quand même accepté. Est-ce qu'on a une cinématique encore plus stylée? I've reprogrammed it to take out those amphibian monstrosities instead. Je vais tout de suite la refaire à la baie là. On va aller chercher et puis je vais essayer de la mettre à l'autre endroit là.
parce qu'en fin de compte, on est là où les sauvegardes ont pas où ça a pas sauvegardé. Parce que après le truc avec le pied de biche, je peux le faire au moment, quoi. Maintenant que je sais. Bon, on s'en fout, c'est la même cinématique en fin de compte. Bon, allons chercher, allons refaire une ammo disque. Hop. C'est quoi, même le sol là? Mais c'est du shit. Non mais ça, j'en ai peut-être encore besoin. Hein. C'est un problème. Je suis un VCS, un speedrun. Voir le Ricard. Bah, je savais que ça allait vite parce que là c'était pas bien compliqué, mais bon, ça fait toujours chier de recommencer un truc que t'as déjà fait. Non, pas de commun, je vais voir un petit peu quand même ce qui se passe. Attends. Ok, avec cette merde là. Ok. Attends, pas qu'ils ont des objets clés ou quelque chose, faut que je regarde. Pas qu'ils ont, ils ont nouveau pris des trucs. Genre il a pris la crowbar là et moi je suis dans la merde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est au moins là qu'il faut que j'aille. Mais non. Donc il y a vraiment rien en bas, ok. Non mais c'est parce que je pensais que je pouvais passer quand même, mais non en fait. Je pensais qu'il y avait 2-3 trucs à chercher, mais il y a que dalle en fait. Ah si, je voulais faire le MO disque. Oh là là, le mec, poisson rouge quoi. Je suis en train de me dire, mais attends, pourquoi je suis descendu et s'il n'y a plus rien? Mais non, mais tu vas faire la disquette. Ça sert peut-être à rien, certes, mais au moins c'est fait. Et je la laisse là-bas. Faut que je la garde, enfin, je sais pas, on se démerde. Je vais faire le truc AB là et je vais la ramener. Parce que peut-être qu'il faut faire un C plus tard. Et c'est là où c'est la lucidité d'un homme. C'est que derrière, moi j'aurais déjà fait le AB et hop, j'arrive directement avec ma disquette. Sinon, il faut tout revenir et tout. Je dois faire ça, ça. Là, c'est quoi ça? Ah mais ça c'est très bien ça, ça c'est très bien pour arrêter le virus. Voilà. Lucidité à son paroxysme, je pense. Et voilà. Tu vas voir, il va avoir un C. Je le sais. Ah, j'en ai un peu marre des outbreaks, j'ai envie de passer à autre chose. Pourtant, je les attendais ces jeux, mais c'est vrai que tout seul c'est chiant. Donc ça te motive même pas à avancer dans l'épopée, quoi. Parce que le peu de temps que j'avais, j'aurais pu jouer et je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie. Parce que je me disais, putain, un outbreak là, ça va me casser la tête, j'ai pas envie de me prendre la tête, alors j'ai joué à d'autres jeux, quoi. On dit, j'ai joué à Soma. Commencer Soma tranquillement. Je pense être vers la fin là. C'est quoi Soma? Soma, c'est un jeu d'horreur. C'est les mecs qui ont fait Amnesia et Penumbra. Ah bah il est plus là lui. Et si je mets la emodiste une deuxième fois, est-ce que je suis con? Est-ce que ça marche? Ah génie. Et c'est plutôt sympa, c'est dans un univers un peu flotteux comme ça, t'es dans un... Je crois que... Je sais même pas vraiment ce que c'est un, ouais, un genre de... Enfin on sait pas vraiment où on est mais... Dans un genre de sous-marin qui est échoué, après t'es dans la flotte et tout. Moi j'aime pas trop l'univers, je vous avoue. Mais le jeu est bien, objectivement il est quand même bien. J'ai la B alors. Si on veut pas être trop un connard, on peut pas dire que c'est un mauvais jeu. Mais... C'est vrai que ouais, l'univers c'est un peu. Être dans la flotte là c'est chiant quand même. Enfin je sais pas. C'est pas glauque, c'est pas un jeu glauque quoi. C'est un
Il n'y a rien de glauque, y a rien de gore dans le jeu. C'est vraiment t'es dans des univers métalliques comme ça, bizarre. Mais il est flippant quand même. Il y a quand même une pression, tu sens une atmosphère. Mais c'est pas une atmosphère genre gore, glauque. Genre psychopathe, comme on a l'habitude à la Massacre à la tronçonneuse ou je sais pas quoi, comme autre consanguin là. Rien à voir. Hein. Et c'est un jeu, il faut fuir. Mais bon, de base, hein, de toute façon, les jeux Frictional Games, ça a toujours été ça. Hein. Et on peut pas leur en vouloir de dire encore un jeu où on fuit, parce que c'est quand même eux qui ont un peu inventé le truc. En fait, ils ont peut-être pas inventé le truc, mais Penumbra, c'était déjà le premier jeu à faire ça. Faut que j'aille où là ? Là. Penumbra le faisait, et Penumbra, c'est sorti en 2001, je crois. Hein. Ouais, j'exagère peut-être un peu plus tard, 2004. Ouais, je sais pas, il faudrait vérifier. J'ai plus le truc, mais si, je l'ai, j'utilise. Pourquoi ? Ah, parce que c'est déjà ouvert. Hé hé hé. Après, c'est vrai que moi non plus, je suis pas trop fan des jeux, il faut que fuir. J'aime bien quand même avoir une arme et bastonner la gueule des gens, quoi. Bon, bah, je sais pas où je vais par contre. Et vraiment, vraiment, je sais vraiment pas où je vais. Ah, c'est là qu'il faut aller, non ? Ouais, c'est là. On va finir cette merde. Je m'y engage. Ah, c'est bien. Non, Soma, il est cool. Pas grand chose à lui reprocher après. Faut accrocher l'univers, moi j'accroche moyen. Non, mais y'a pas de lettre. Enfin, si, mais je sais pas trop. Outlast, il faudrait que je le refasse parce que moi je l'ai fait Outlast, mais je l'ai vraiment fait en mode cassos quoi. Je l'ai fait comme ça en plein jour. Genre rien à foutre, en speedrun à moitié, tu vois, sans vraiment réfléchir. Franchement, j'ai pas vraiment apprécié, forcément. Quoi. Là, c'est quoi toute cette merde hein? Ça s'ouvre là c'est un jeu qu'il faudrait que je refasse bien au calme, bien au casque et tout, là. Ah, bonsoir, Yuichi-chan. Yuichi-chan, comment il va? Mon petit Yoichichon. Je sais même pas où je vais, j'en ai plus rien à foutre. Bonsoir, Jean de Cal. Merci pour le host raid de qualité. Comment ça va? Ah, mais non, mais il est où le pied de bitch? Il me faut le pied de bitch. Le pied de bitch. Non, mais le pied de bitch. Merde. Ça, j'ai déjà lu ça. Witch Journal, à la soirée de culture, on a beaucoup cassé lors des expériences. Moi, si, hier, un employé blessé a dû se faire mettre 30 points de suture. Putain, ça en fait. Il faut régler tout ce problème. Ah oui, septembre. Une armature en titane a été installée pour renforcer les réservoirs de culture. En cas de bris, les bros. Mais on s'en fout en fait, non? Parce qu'il y a du temps qui passe dans ce jeu et j'ai pas trop le temps de lire des saloperies. Les Hunters mu. Ah oui, attends, c'est les Hunters mu. Version plus. Plus petite des Hunters. Wouah! Oh là là. Salut au Castor Troll. Non, j'aime pas ce jeu, c'est de la merde. C'est de la merde tout. Nuance. C'est de la merde tout seul. Non, j'ai pas de flacon de pisse. Et RE2, c'est la vie, bah, tout à fait. RE2, c'est le meilleur jeu de l'univers. Ah bah ouais, il est là le pied de biche. Pied de biche-chan. La barre, pied de biche chez nous c'est des biches, chez eux c'est des corbeaux, fuck la logique. C'est quoi, qu'est-ce qu'il s'est dit le mec? Enfin je sais pas qui a inventé le nom en premier, mais forcément il s'est inspiré, il s'est dit, il voulait changer, il voulait pas que ce soit pareil. Il voulait être contradictoire, donc il s'est dit putain ça s'appelle un pied de biche, non, j'appelle ça une barre de corbeau, rien à foutre. Bon allez on se casse. Bon allez, on va faire ça. Peut-être que la disquette, je peux la mettre. Bah, sinon, bah, je sais pas. Oui, bonjour. Bon, par contre, lui, il va falloir que je lui envoie des bastos dans la gueule, je crois. Ou pas. Attends, c'est où? C'est pas ici? Oh.
Ouais, moi franchement, le remake, je suis quand même pas. Enfin, si, j'attends quand même, faut pas déconner. Mais. Ah, moi, la vue TPS, ça m'emmerde. Vraiment. Mais je sais plus où c'est. Putain, mais c'est affreux, je sais plus où c'est. C'est là? C'est bon. Et tu fais du travail, toi, de qualité, Mister X. Ça aura pas la même saveur que. Parce que c'est comme ça, c'est tout. Ça aura pas la même saveur que le remake du premier. Après, évidemment, je vais m'en délecter de ce jeu. Je vais regarder tous les trucs, regarder les nouveaux décors, voir les nouvelles énigmes. Ça va être cool. Tout ce que j'espère, que ça reste dans l'esprit, et c'est ce que ça a l'air, ça reste dans l'esprit des vieux RE, c'est-à-dire avoir un backtracking, avoir les objets à trouver, ouvrir les portes. Ce qu'on attend d'un Survival Horror, pas un jeu couloir comme ils font maintenant, quoi. Donc ça peut quand même être super bien. Mais la vue TPS, je suis pas content. Je voulais faire quoi, ça? Bon, ça marchera pas. Oh! Oh mais putain, mais c'est ce génie, parce que ça, personne te le dit. Virus T, liste des patients, 14 mai 1796. Les patients sur suivants. Pourquoi ils foutent des étoiles à la con essai sur les VS? Non, ok. En fait, j'ai peut-être fait ça pour rien, que ça sert à rien, quoi. Putain, mais ça sert à rien, en fait. C'est juste pour avoir les documents. Cette perte de temps, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, complètement. Ouais, ouais. Par contre, ce que j'aime pas, franchement, là, y a, ce que j'en ai vu du jeu, il y a une surenchère de gore. Ça, j'apprécie moyen, quoi. Enfin, tu vois, toutes ces scènes, là, un peu genre jumpscare, comme ça, même si c'est pas forcément des screamers, le truc, c'est quand même, ça te saute quand même un peu. Enfin, je sais pas. Quand tu vois le mec à moitié déchiqueté et tout, là, je trouve qu'on a trop vu de trucs gore. Alors c'était peut-être fait exprès pour faire un effet là, et qu'il y en aura moins dans le jeu, mais je sais pas, ça... Ah, c'est quoi ça? Ouais, c'est quand même du truc stylé, ça. L'acrobar, j'aurais plus besoin. Par contre, ouais, ça va être scripté, mais ça, c'est obligé, quoi. Ouais, non, mais franchement... Ah mais c'est pas... Ouais, c'est gore aussi RE2, mais ce que je veux dire, c'est que là, ça va trop vite. Il y a trop de scènes gore en un coup, là. Enfin, ce que j'en ai vu, j'ai regardé le gameplay, là, de 20 minutes qu'il y a. Bon, il doit en avoir d'autres depuis. Et mais attends, mais moi, je sais pas où aller, là. Il faudrait que je fasse une carte level 2. Qu'est-ce qu'il a, lui? Putain, lui, il a une time bomb, quoi. Bon, bah, je sais pas quoi faire, c'est génial. Où on pourrait encore aller? Il y a peut-être des endroits où je suis pas allé. J'ai encore ma carte. Je suis là, ok. Je peux peut-être essayer d'aller là. Ah, on verra. Mais ça va être un jeu de merde. Enfin, de merde, non, mais bon. Ah, ça a pas la même saveur. Le jeu vidéo d'aujourd'hui, il a pas la même saveur que celui-là d'avant. C'est comme ça, c'est tout. Ah, salut Mad. On verra. Ouais, ouais, je suis quand même dégoûté. Mais bon, d'après ce que je vois, les gens sont plutôt satisfaits, hein, de la tournure du jeu. Tout le monde a l'air super hypé, super content. Bon, bah, tant mieux, hein. Moi, je le suis moyennement. Je vais pas dire pas du tout. J'attends pas. Franchement, j'attends plus des jeux comme Dragon Quest là, qui va sortir en septembre, que RE2 Remake. Hein. Et c'est vrai. Hein. C'est triste, hein, mais c'est vrai. Bon, je sais plus par où. Je suis perdu. Je suis perdu comme un cul. Putain, mais je peux vraiment rien faire. Je sais pas où aller. Hein. Je suis perdu. Salut Renaud Zoé. Ça va, ça gaze. T'as fait le plein. Ah bah je vais tout simplement là. Ouais, bon, on verra bien, ouais. On verra bien. Après, je vais pas faire le connard, genre ça va être de la merde. Complètement pas, quoi. Ce serait quand même con de se boycotter soi-même le jeu, quoi.
Genre, mais je suis sûr qu'il va y avoir des gens comme ça, tu sais, qui vont. Genre, parce que c'est pas la vue. On va dire classique, c'est parce que c'est TPS. Ils vont boycotter le jeu comme des connards, quoi. C'est obligé qu'il y ait forcément un pourcentage de gens comme ça. Linda. Non, on va faire le jeu, je suis sûr que ça va me saouler, mais ça va peut-être être une surprise de ouf. Et je vais fermer ma gueule et je vais applaudir Capcom. J'en sais rien. Oh là là! Codine qui se fait schnipper! Ah oui, le Metro Exodus, là, ça fait quelques temps que j'ai vu ça sur Steam, là, en attente. Je sais pas quand ça sort, mais j'avoue que les métros, c'était une belle découverte que tu m'avais délecté. Tu m'avais délecté d'une belle découverte, et j'avais même pensé à les refaire, tu vois. Oui, j'ai pas prêt, j'étais en train de me toucher l'anus. Oh là 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 là. Ah bah voilà. Bon, ça va, il a l'air con. Par contre, j'ai jeté un truc, non? Du type fusil à pompe, et ça craint. Je peux pas jeter plutôt la clé de merde. Please, mec, il faut absolument que je récupère ça. Il essaie de me schnipper au coup de pied, là. Et j'ai jeté la bonne carte, hein. Ok, c'est bon. Let's move. Ah, les métros, ouais, ils sont bien, hein. Moi, je suis pas trop FPS, hein, mais... ceux-là, ils sont plutôt cool, hein. Enfin, en fait, moi, ça va... Dès que le FPS, c'est pas une simulation de guerre, ça passe. Faut que ce soit un peu stylé, quoi. Attends, je sais pas, bon, attends. Tu vois, genre les trucs Call of Battlefield, moi je comprends pas comment on peut vraiment s'amuser là-dessus. Faire la guerre, c'est de la merde. Je sais pas quoi. Qui a envie de faire la guerre? Non. Mais je sais pas où aller. Mais si, en fait, je sais. Putain de saloperie, mais je pouvais pas quand même pas aller de l'autre côté. Mais je vais quand même aller voir, hein. J'espère que je vais pas me faire défoncer, hein. Maintenant qu'il est parti, je peux peut-être ouvrir l'autre porte qui était au bout. Là, j'ai pris en FPS, là, un peu ambiance. J'ai pris le Predator, là. Alien Predator, là. Apparemment, il est super stylé, ce jeu, là. Il était un franc. Un franc CFA, le bordel. Je me suis dit, bon, allez, je me laisse tenter. Je suis pas trop FPS, mais ce genre de FPS avec de l'ambiance, ça peut le faire. Et je pense que celui-là, il est bien. Celui-là, il est vraiment bien. Il faut que je me soigne. Hein. Ah oui, j'avais des antivirus, là. Prends-en déjà un. Mais pourquoi j'ai plus la carte? Pourquoi j'ai plus ma carte? Pourquoi j'ai... Ah si, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Peut-être que ça s'ouvre. Il a quelque chose, lui? Il est déjà mort. Exit. Bah oui, je vais fuir. Ah, il faut que je retrouve la black. La petite blackette. Par contre, il est agressif maintenant, j'aime pas ça. J'avoue, ouais, Outlast 2, ouais, enfin, je sais pas. Bon, après, quand ça part trop sataniste, je suis pas fan, hein, franchement. Ça me dérange pas que ce soit gore chelou, mais après, quand ça part dans des trucs satanistes, hein, c'est pas mon délire. Hein. C'est pour ça que genre, les trucs comme Agony, moi, c'est, pour moi c'est de la pure merde, hein. Moi je joue pas à ça, hein, même à 75%. Même si le jeu de base c'est une merde, on est d'accord. Apparemment le jeu c'est une merde, j'en sais pas plus, mais... Je sais pourquoi je suis revenu là. Bon, il faut qu'on trouve cette femme, point. J'ouvre les portes, j'ouvre des fions et puis on y va. Bon, après Outlast 2 à voir. Hein. Parce que par contre, parce qu'après ça part trop loin dans les délires. Ah moi le truc que j'attends par contre là, c'est le Shenmue Remaster. Je sais pas quand ça sort, mais ça j'attends beaucoup. Parce que ça je l'ai vu il y a pas longtemps là sur Steam aussi que bah, c'était en cours de préparation. Bon, je sais pas où aller, je pense au bout. On va aller une fois au bout, là, ça a l'air d'être bien, là. Hop, je mets une petite fin dans le fion. Non, c'est lui qui met une petite fin dans le fion. Ouais, Shenmue, faut... Moi, je connais pas, c'est pour ça que je suis hypé. Shenmue, je suis hypé. Parce que c'est une... Après, est-ce que c'est pas surcoté? Ça, on verra. Ah, je peux pas passer, mais y a pas un autre passage pour passer, là. Attendez, je suis là. Merde, comment on fait pour aller là-bas?
Faut que je passe par le truc quand même. Si c'est bon, cher. Calmez-vous, je sais. Je vous vois déjà stressé. Chez nous. On commence ça en FR. Le doublage est en français. Ah, regarde, ça, je pense que je vais acheter. C'est pas surcoté. Ouais, bah, je verrai bien. Mais ça. Je sais pas si ça sort sur PS4, ça aussi. Je vais peut-être le prendre. Bon, quoique c'est un remaster, j'ai le PC qui tient quand même pour ces saloperies. Après, les jeux plus récents, je pense que je les achetais quand même sur PS4 parce que le PC commence un petit peu à être en mode. Attends, ouais, ok, c'est ça. Être un petit peu sur PLS, hein, sur les nouveaux jeux, hein, quand même, faut pas déconner. Hein. Commence à être un petit peu vieux là, il a quelques années. Ah, il est en VOSTFR, bon, ça c'est génial ça. C'est génial. Ok. Bon, elle est où, Martine? Vite, arrête! Ça peut être vieille. Ouais, mais tu sais, ça, c'est pas un problème. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est vieux. Moi. Ouais, je vais dans les catégories, catégories granny. Ouais. Rien à foutre. Quoi. Rétro granny. Ouais, je sais pas. Moi, après, remaster, comme dit. Hein. Faut regarder un peu les. Les stats, enfin les stats, les spécifiques à. Comment on appelle ça? Les spécifications, non mais, hein. Parce qu'ils demandent comme truc, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attends, j'ai posé des trucs. Ok. Bon, soigne-toi quand même, on sait jamais. Est-ce que je suis en train. Non, je peux garder encore. Par contre, un R2 Remake, bah, je le prendrai sûrement sur PS4 parce que je le ferai jamais tourner correctement sur. Enfin, faut voir, mais. Et si le jeu est terrible, je prends sur toutes les plateformes. Eh oui, parce que je suis un pigeon. Pour les succès et les trophées. Je dis ça, mais genre les autres RE, franchement, RE0, je l'ai sur Xbox, sur PS3, sur PC. RE1, c'est pareil. RE4, c'est pareil. Sur RE4, j'ai sur PS4 en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est vrai que les RE, franchement. J'ai quand même claqué du fric. Hein. Bah, je les ai tous, hein, les RE, en fin de compte. Les seuls qui me manquent, c'est le code Veronica X2, là, le truc pourri, Survivor 2. Et des dimes. Ouais, je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Ah, on va pas s'énerver. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, c'est de la pure merde. Ça, c'est des pranks. Regarde, ça sert à quoi? À rien. Si, complètement con. Mais des fois, c'est vrai que des fois, il y a des objets sous les trucs. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, j'ai la pression de l'autre cassos. Ah, une bonne pomme granny, là. Puis j'ai la dalle. Là. Mais j'ai un repas qui m'attend. J'ai juste à le faire chauffer. Là. Ah, oh, il me stresse le mec. Ah. Je sais pas, hein, je vais là. On reviendra. Je sais pas. Ouais, on attend Dragon Quest parce que putain, j'ai une PS4, j'ai pas encore acheté un seul jeu. Non mais c'est, en plus c'est vrai, hein. C'est affreux. J'ai acheté une PS4. Tous les jeux que j'ai achetés, c'est que des trucs remaster. Ça prouve quand même que cette génération a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Putain, j'ai que des trucs remaster. C'est n'importe quoi. Mais abaisse-la. Il faut la baisser, bah vas-y. Il est parti l'autre. Non. Ouais, les seuls jeux que j'ai fait, c'est les jeux qu'on m'a prêté en fin de compte. Je sais pas. Ouais, je veux bien la baisser, mais je peux pas. C'est interdit. Par les conventions de Vienne.
Après, bon, je suis un peu de mauvaise foi. Je sais très bien qu'il y a des jeux qui doivent être pas mal sur PS4. Faudrait que je me les fasse, là, les jeux censés être stylés. Mais j'ai la flemme. Il n'y a pas vraiment qui me donne envie. C'est ça le truc. Mais je sais pas. Tu sais, les Uncharted, à la limite, c'est le seul truc qui me donne envie. Mais pareil, il faut commencer par les premiers. C'est encore un truc remaster. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Ah bah attends, pourquoi j'ai un lance-grenade qui est vide en plus? Ça n'a aucun sens. C'est tout. Ouais, lis le mémo. Transformation de la poignée 6. Ah, c'est un code? Attends, je vais noter. Dans le doute. Non, 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 non! Martin, fais pas le con, Lucien. Non, non, mais je m'en fous! Enfin, dans une moindre mesure, mais. Oh là là là. Oh là là là. Oh, mais c'est l'angoisse, mais il fait pas trop mal, je crois. Je dis ça et je vais être en danger. Quoi? Oh, mais attends, je peux plus. Je sais pas où aller là. Est-ce qu'il y a quelque chose à activer là? De nombreux. Oh, me casse pas la tête, me casse pas la tête, mec. Est-ce que j'ai quelque chose? Mais non! Enfin, si, mais il faut peut-être que je le bute! J'ai pas de soin, je crois. Ouais, il faut me dire quoi faire là. On sort, Terminator. Tu peux te spoiler et me spoiler en même temps, comme ça c'est fait, tu vois. Un deux en un. Parce que là, je sais pas quoi faire. Et c'est l'angoisse parce que je sais vraiment pas où aller parce que je suis allé partout en fin de compte. Il y a juste cette histoire de code, mais je sais pas où le mettre. Et j'ai la pression de l'autre. J'ai pas sauvegardé depuis 4 ans et demi. Et c'est pas des conneries. Et on est à combien de temps? Bon, on n'est pas un gros pourcentage. J'aurais presque envie d'aller sauvegarder là. Parce que putain, je suis en panique. Hein. Si je crève, je dois tout refaire. Je sais vraiment pas quoi faire. Moi, je sais pas. Enfin, j'ai eu un code là. Enfin, un semi-code. T'as même pas le temps de... C'est ça qui me rend fou dans le jeu, t'as le temps de rien. Putain, en plus, c'est Mister X vénère, il court trop vite. C'est normalement Mister X, il court pas aussi vite, oh! Il court même pas Mister X dans la vraie vie. Je suis pas bien, là, il me faut un soin. Je retourne vers les soins, parce que si je meurs, c'est... C'est le décès. Ça va pas être possible. Bah déjà, quand tu vois des plantes, tu vas déjà en prendre une derrière. Oh là là. Parce que t'as avec une plante, je suis encore en intention. C'était limite, hein. Je sais pas quoi refaire. Mais je pense que ça doit quand même être là et qu'il faut trouver un moyen d'ouvrir la porte. Mais franchement, il pourrait mettre. C'est, ce jeu est mal fait dans tout, quoi. Dans tout. Je veux dire, une save dans tout le laboratoire, c'est un peu exagéré, quoi. Les mecs. Là, on est dans la deuxième partie du jeu, tu me mets une save dans la deuxième partie du jeu. Tu m'obliges pas à revenir comme un fou. Parce que moi, là, j'ai peur. C'est de la merde, ce jeu, c'est pas possible. En solo, c'est pas possible. Ou c'est là? Ah, c'est peut-être un truc là. Non, mais là, je l'ai fait, en plus, ça servait à rien. Mais il vient plus le Mister X à partir d'ici peut-être. Ah mais il y a un truc en bas, hein, c'est sûr. Mais je préfère quand même aller sauvegarder. Hein. J'ai qu'une hâte, c'est de finir cette merde. Hein. Vérifions si j'ai tout fait. Là, pourquoi je pouvais pas aller là? Attends, là, il faut peut-être que j'aille là-bas. Parce que je sais qu'il y avait une deuxième porte. En fait, il y avait une deuxième porte level 2, c'est sûr. Et c'est peut-être celle-là. Là. Voilà. C'est peut-être ça.
c'est pas impossible. Rien n'est impossible. Ah non, mais ça, c'est là où je viens. Passage face à l'ascenseur. Ah bah, c'est pas là, c'est justement. Non, bah, c'est pas celle-là, alors. Mais il y avait un deuxième truc. Level 2. C'est quoi, ça? Ouais, on ne saura jamais. Moi, je sauvegarde et je redescends là. Je vais prendre un soin au passage et on essaye de voir s'il n'y a pas moyen. Peut-être un truc que j'ai oublié là. Il fallait appuyer sur un truc là, sur un poteau là. Parce que ça, ils le font trop dans le jeu. Parce que pas qu'il faut revenir activer un truc à la con ici encore. Bon, déjà il y a un soin là. Non. Des bouteilles de pisse. Ça. Mais est-ce que putain, dans le doute, il faut quand même que je garde encore la clé. Hein. Bon, la batterie, je peux la dégager par contre. Hein. C'est pour faire des bombes là, on s'en fout. Ou c'était à l'étage en bas là? La clé? Non. Impossible. Ouais, prends ça. On va poser ça, c'est de la merde. Ouais, mais ça, j'ai plus besoin. J'ai déjà fait tout le truc. Ah, il y a aussi un soin là. Ok. Bon bah sauvegarde et je vais redescendre et puis je vais voir. C'est juste que franchement, j'ai pas eu les couilles de continuer, en plus j'avais pas de soin. Tu te fais Alors je peux essayer de le rectifier peut-être le Mister X. Le mec il me drop une clé et je pète un câble. Tu sais, faut retrouver Janine. Hein. Faut retrouver Janine. Y a pas d'autre échappatoire. Break 2 ou RE3, bah RE3 hein. Largement. Franchement, les Outbreak, je conseille pas d'y jouer en solo en fin de compte, c'est ça. Hein. Moi je le fais parce que je suis dans mon épopée, donc t'es obligé de passer par ces genres de jeux. Mais si je l'avais juste lancé comme ça pour voir, je pense que j'aurais même pas fini quoi. J'aurais joué quelques heures, j'aurais fait ciao quoi. Bon, quoique les deux derniers scénars, ils sont pas trop abusifs, je trouve, encore, mais... Parce que l'IA, on s'en fout un peu. Mais dans les autres scénars, c'était de la merde. Hein. Donc, attends, si moi je reviens. Non, mais j'ai pas le temps de réfléchir. Hein. Parce que je sais pas si je peux quand même pas passer après là, quoi. Bon, ça fait que tout le tour. Je réfléchis à ce qu'il y avait, quoi. Là, il y avait quoi, alors? Ça jouait. S'il y avait quoi, là-dedans? Et là, on dirait qu'il y a aussi un truc, hein. Ah, c'est pas l'endroit où je peux pas y aller, justement. C'est quoi, ça? Ils te disent que c'est, non? Oh, toi, mais ça doit être ça. Bon, bah, je vais redescendre, hein. J'imagine quelques passages, en réalité. Mais il est mongol l'autre, il vient pas. Oh, tant mieux.
GG, le hunter qui me fait. Il m'optimise ma run, c'est génial. Ah ouais, je joue plus jamais à Outbreak. Hein. Moi j'ai dit Outbreak, le seul moyen de me refaire jouer à ces jeux, c'est que Capcom se sorte les doigts du cul et qu'il nous fasse une compilation remaster des deux jeux, quoi. Là, on peut discuter. Mais par contre, je sais pas pourquoi les Hunters ils sont inutiles. Ah ben non, parce qu'ils vont refaire le tour. Oh là. Hunter, mon gars. Léthargique, le bordel. Bon, je joue aussi en facile parce que je suis une fiotte. Mais j'imagine qu'ils sont pas plus rapides en facile ou en difficile, quoi. Et le pire, c'est que ces jeux, ils sont super longs, quoi. C'est ça. C'est que le pire, c'est que les spin-offs sont limite. Il y a plus de contenu dans les spin-offs là que dans les jeux officiels. C'est quoi ça? C'est un truc de fou. Parce que Outbreak, je crois que c'est le jeu qui m'a pris le plus de temps à finir. Hein. Si je dis pas trop de la merde. Ah non, peut-être RE. Ah, peut-être quand même RE4. C'est vrai qu'RE4 est très long. Bon, on va redescendre et puis on. Et voilà quoi, si vous voulez que je vous dise d'autre. On espère trouver une solution. Mais par contre, si j'ai mongolisé le Mr. X, c'est quand même pas mal. Ah, il m'a fait flipper le con, mais bien, parce que je voulais voir si t'avais des objets. Faire tuer par le virus, ça va. J'ai la marge. Je suis à même pas 50%. Il faut quand même se toucher le cul. Là. Je peux descendre là? Ah d'accord, il faut peut-être pousser le truc là. Il y a peut-être un truc à pousser là après. Il y a forcément un truc à faire là. Ah mais c'est pas le flic qui est perdu, hein. C'est l'IA du jeu qui est complètement perdu. Je fais même plus rien avec eux. Chaque fois que j'essaie de donner des objets ou des trucs, regarde, l'autre il a deux soins, il a un balai, faut les laisser tranquilles. Je crois que le truc c'est qu'il faut faire abstraction de l'IA. Et c'est ce que j'ai dit, que c'est limite, ils auraient même dû enlever, en solo, enlever les autres persos. Et te laisser jouer tout seul. Parce qu'ils servent à rien. Et comme j'ai dit, le pire qui m'est arrivé, c'est qu'il y a un mec, il a pris un objet clé. Et derrière, il est décédé. Et moi, je cherchais pendant 4 ans. Ça, c'était dans Outbreak 1. J'ai cherché pendant au moins 3 heures. Enfin, j'exagère. Bien une heure. Facile, une heure comme un connard. Ce qu'il fallait faire. Et c'était la Yoko, là, la gonzesse, qui avait l'objet clé. Et jure, comme les persos, tu les vois jamais. Je sais pas, j'ai eu un élan de lucidité, je me suis dit je vais regarder ce qu'ils ont. Et puis l'autre, c'est pour ça maintenant je regarde tout le temps ce qu'ils ont quoi. Et le pire c'est que les mecs comme ils peuvent mourir, ils peuvent avoir des objets clés sur eux en étant décédés. Donc t'es obligé d'aller fouiller les cadavres encore. C'est de n'importe quoi. Moi je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Bah je crois pas qu'il y a d'objets clés là. Faudra quand même que je regarde. Ah ben attends, ah oui c'était ce délire, pourquoi il fait chier? Il faut la baisser, je peux comme ça ou quelque chose, non? Faut la baisser. Mais je peux pas la baisser comme ça tout bêtement là, en mode... Pourquoi? Mais c'est de la merde. Il a quoi sur lui? Il a un balai de la merde. Il va peut-être me donner un soin ce petit con. C'est des balles de flingue que j'ai. Ah non, c'est inutile. Complètement inutile. Pourquoi j'ai... En plus, pourquoi j'ai claqué des balles de... Alors j'avais un flingue. Putain, comment on fait pour descendre ces merdes? Putain, ça veut dire qu'il faut que je le bute quand même.
Bon, bah, je suis perdu. Qu'est-ce qu'il y a au sol là? Bomb switch. Ouais, non, mais on s'en fout. Enfin, je sais ce que c'est. On s'en fout, c'est avec la batterie, c'est pour faire une bombe. Mais je pense pas qu'on ait besoin de ça, c'est pour tuer des ennemis. À moins qu'il faut que je le foute à la... Regarde, mais il est possédé, hein, il est complètement possédé. L'autre, il cherche des donuts dans la boîte, là. C'est bon, il n'y a pas de donuts, calme-toi. Oh là là, génie. Mais oui, parce qu'avant, j'étais en panique. Ici, quand il y avait le tyran, on était en caution. Donc j'ai eu peur du... du décès. Oh, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai pris? Allô? On va pas chercher longtemps, hein, c'est parce qu'avant j'ai paniqué, je voulais me casser, c'est tout. Hein. Un stick, non, c'est dire qui irait prendre un morceau de crayon, hein, j'en ai à foutre. Non mais je voulais... ça je peux pas le prendre là? Bah ça va... Franchement. Les scénarios... En fait, plus tu avances, moins les scénarios sont chiants. Oh là là. Oh, j'ai peut-être ouvert ma gueule trop vite. Le premier scénario, il était vraiment infernal. Ça se pousse pas, ok. Évite de crever, c'est tout. Non, tu... Ok. Je sais pas, les ennemis sont inoffensifs, c'est génial. Regarde. Ah bah, j'aurais dû fermer ma gueule, parce que là, je suis empoisonné, c'est ça. Genre, 2 balles dans la tête et le truc est rectifié. Je suis empoisonné, hein. Putain, fais chier. Il y a des trucs. Oh, je sens que ça va être un truc chiant, ça. Comme Tomb Raider, mais en low cost. Ouais, il me faut un antipoison, les gars. Moi, j'ai fait de la merde aussi, quoi. J'admets que... J'ai peut-être pas pris la bonne décision au bon moment, quoi. Ok, génial, carte. Bon, on va se casser, hein. Putain, le mec il est balèze quand même, il rentre tête en première, il arrive à sortir les pieds en premier après. Putain, super transition, bravo Capcom. Ouais, je m'en fous, je pouvais pas l'utiliser direct, ça aurait été plus simple. Oh mais bidon man, putain ça en speedrun ça passe normalement. De où tu te lèves aussi vite là? Ouais, je veux finir ce scénar. Là. Qu'on finisse ce jeu. J'espère que limite j'ai pas les scénarios bonus débloqués là. Comme ça on arrête cette merde. Parce que je sais pas les conditions. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il faut faire des rangs S ou je sais pas quoi pour débloquer les scénarios bonus. Putain, on dirait RE4 là. Ça ressemble de ouf. Casse-toi, j'étais en train de discuter. Ah, j'ai plus de balles. Ah, j'ai des coups de pied, c'est vrai. Comment on fait coup de pied? Oh, mais ce coup de pied nul. Mais comment il est con, lui. C'est quoi ce son bien affecté? Oh, putain, mais laissez-moi tranquille, j'ai pas... Oh, mon Dieu. Oh, putain, mais c'est pas possible. C'est quoi ce scénario des enfers? Mais enfin si c'est bien mais... Putain mais ça fait un mélange RE4 Silent Hill. Ouais moi je veux jouer à RE5, putain de merde. J'ai vu des trucs mais j'ai pas les balles qu'il faut. Jouer à RE5.
C'est tellement de la merde quoi. Oh là, ça va être tellement de la merde à E5. Ça va être génial. Ah, je suis quand même en attention, Sama. Ah, il fallait le dire ça. C'est un flingue. Putain, il faudrait quand même que je prenne un flingue classique. Hein. Bon, ça, j'aurais plus besoin, on est d'accord. Enfin, j'espère quoi. Parce que sinon, je l'ai posé vraiment à l'endroit le plus pourri du. Et je vais le finir lui parce que. Je te finis à la piste mon gars parce que tu m'as saoulé là, voilà. Il y en a encore un là. Ah merde, c'est une araignée. Putain, faut pas que je sois empoisonné mon gars. Elle est morte là hein. Le truc il disparaît pas, on sait pas trop. Please. Je veux juste trouver la blague là. Et puis on arrête le jeu. Je trouve la blague, j'ai fait deux gosses. Et puis on se casse. On passe à RE5. Elle est là la gamine normalement. Voilà, nice. Just lie still, chief. J'espère que c'est fini. Là, on se bute le Tyrant et on est heureux. Par contre, avec un flingue, on va pas aller loin. Thanks. I must have passed out or something. Wait, Carter. He didn't make it. My intuition was screaming at me to stop him from using that thing as some kind of a toy. Even the damn capsule got broken as well. A capsule? What's it for? Umbrella has been spreading a virus throughout the city. That little capsule contained what could have been the only possible cure to the virus. I ran a check on the capsule and basically know how to recreate a new version, but... None of that means a damn thing unless I can get. Oh, ça va être chiant, il va falloir faire un virus, machin là. Huh? Nani? Hein? Quoi? Oh mais ça s'arrête jamais, c'est l'enfer. Effectivement, là je commence à... Ah mais j'ai plus de 6,56, putain. En plus c'est super long, ça veut dire que ça va être super long. Je peux prendre ça, comment je suis? Allez, dans le doute, on va pas... Attends, trouve de l'herbe par terre, tu vas pas la laisser quand même. Qui laisserait de l'herbe par terre? Oh, j'en ai ras-le-bol, je joue à RE5. Ouah! Ah ouais, non mais c'est pas génial. Ça prend quoi comme arme? Enfin, c'est bien, mais franchement, mais... Putain, ce jeu, t'as pas de place, mec. Et moi, je vais garder le fusil à pompe. Chier. Ah ouais, non mais fait super chier, quoi. C'était le flingue de Hunk, mais peut-être, en plus. Ah bah, plus, Warchaos, bonne nuit à toi. La bise. De toute façon, je vais arrêter bientôt aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut boire? Okay. Quand des égouts arrivent ici, il vaut mieux pas en boire. Mais putain, la réflexion à la con, quoi. Ah oui. Oh, je vais finir ça. Qu'est-ce que c'est, New Papy? Il y avait quelque chose en dessous, au moins. Oh, génial. Ah, mais moi, je l'ai installé. Hein. En plus, RE5 a été installé sur ma PlayStation 4. J'ai testé le jeu 5 minutes pour voir comment ça rendait.
Oh là là. Bonne nuit les postes, toi aussi. Tu pars aussi? Des bisous alors. Tout le monde qui part. J'ai plus aucune raison de vivre si tout le monde part. Vous êtes ma raison de vivre. Ma raison d'exister. Get the hell out there and find them. How long do you plan to just sit here and do nothing? Can you get it through your thick skull? If the package gets out, it will be your neck on the line, not mine. C'est quoi ce Barry Locust là qui a mangé trop de donuts? Sir, landmine placement complete. Okay. That seals off any ground exit. What? Did you forget I'm the one that gives the orders here? Wait! Think of the position I'm in. Eh? Oh là là, mais c'était trop bien fait. 100. C'est bon, c'est fini? Je l'ai marre. Quoi? Oh non! Ah ouais, je sais pas. Attendez, on va se cacher. Franchement, là, c'est trop abusif. Mais c'est peut-être le boss, ça. Ce serait génial. On va essayer d'aller là-bas. À l'Apple Inn. Là. Je me suis fait rectifier de ouf. Hein. Faire le tour, un truc comme ça. Putain, j'en ai marre. C'est bon, en même temps, c'est le dernier scénar. C'est peut-être un peu normal qu'ils soient un peu plus touffus, quoi. C'est... une petite point de save, ça déjà, c'est propre. Voilà, 58%. A plus, termina, bonne nuit. Prochaine, des bisous. Ah, j'aimerais quand même finir ce scénar avant d'arrêter. Et ça, en plus, c'est aussi un environnement de Outbreak 1. Si je dis pas de la merde, ça me rappelle Outbreak 1, ça. Un stun rod. Je sais pas ce que c'est. C'est une matraque électrique, un stun rod, peut-être. Rod, c'est un bâton. Stun, je sais pas. Stun, du stun, quoi. Bon, bref, je sais pas. Le jeu traduit qu'à moitié, ça, c'est aussi bien. Les mecs, ils traduisent la moitié des jeux, quoi. Ah bah ça, par contre, c'est intéressant. Ouais, franchement, tu sais quoi le flingue? Enfin, si, quoi que. Y'a rien là? En fait, ça servait à rien là, je peux rentrer nulle part. Là. Non, on dirait pas. Hein. Ah non, mais je veux pas l'aider. Elle a quoi elle sur elle? Elle a des trucs, non? Mais faut peut-être que je l'aide justement, je sais pas. Peut-être que je la soigne. Je peux lui donner des trucs, mais je peux rien lui donner à elle en plus. Je sais pas. Bon, allez, on va tenter. Ah, j'ai pas pris le truc là, MP5. Je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais. Mais j'ai pas de place. Bah, je sais pas quoi faire là. Est-ce que ça fonctionne? Bah, je me suis pris une mine là ou quoi? Ouais, qu'il fout des mines. Ouais, ça passe. Regarde, il te pète exprès des soins en plus pour que tu puisses enchaîner. Regarde, un soin là, un soin. Ah ouais, mais par contre, il fait super mal le con. Wouah. Bon, par contre, je pense que. Ah, mais c'est une mine, je croyais que c'était un truc à prendre, je suis dégoûté. Et lui qui traîne. What the fuck? Mais fais pas chier, toi. Oh, la mine démoniaque. Bon, en même temps, si tu prends une mine, je suis pas sûr de survivre de base, quoi. Attends, c'est où? On l'a vu le son, je l'ai vu, je suis pas fou. Normalement, je pense que tu prends une mine, tu perds au moins un pied, quoi. Minimum. Il a fini là. C'est quoi ça? Okay. Par contre, ils ont tous décédé avec ces conneries. Vous avez rien d'important sur vous. Hein. C'est quoi ça?
Mine détecteur, ouais. L'autre, regardez-moi cette IA, quoi. T'as le mec, il a deux balais sur lui. C'est pas possible. C'est pas bonne mine, ouais, calmez-vous, sinon je vous banne. Définitivement. Je vous fais payer les streams. Exclusivement à vous. Parce que vous êtes blindés de thunes, vous. Ça se voit. Je sais pas, ça se voit. Okay. Mais non, mais je l'ai. Ah, ok, c'est bon, j'allais dire. Bon, lui, on s'en fout, il a qu'à crever. Ouais, mais c'est tellement un des mineurs, je le kiffe. Wouah, il déchire. Attends, il y a Hunk au sol. C'est quoi ça? C'est un méchant, ça? Oh, c'est Hunk. Lul. Mais tu pas Hunk? Au balai. Oh là là. Oh, je vais pas m'énerver, putain de merde. Oh, je vais tellement pas m'énerver. Attends, on va quand même le buter, il a peut-être un truc stylé sur lui. C'est bon, il est fini. Y a pas de cabane. Bon, franchement, je vais enlever le flingue. J'hésite, hein, je suis dans l'hésitation. Ah, elle est sur l'autoroute, sous l'autoroute du destin. Okay. Attends, mais il est encore là, le mec, ou c'est bon? On est opérationnel. Mais il se prend toutes les mines, ce cassos. Mais un génie. Un putain de génie. Putain, ça mériterait que je te donne un soin, quoi. Tellement que t'es un génie, mec. Ah, là-bas, il y a une mine, mais on va pas se la prendre. Et prends pas, par contre, prends, les prends pas gratos, les mines, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, on s'en fout, ça, c'est de la merde. Bah, on visite, hein. Un peu touristique, là. Ah ouais, non, mais ce jeu de l'angoisse totale. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça, c'est ça. Bon, on va quand même dégager le flingue, je crois, parce que 50 balles de trucs, ça devrait le faire. Hein. Et prendre un soin en plus. Putain, mais cette tête de winner. Plan to contain the incident the old-fashioned way, blowing up the target location and everyone in it with missiles. Why didn't you say anything, you weasel? I kept telling you to hurry. Damn. Oh. Well, where are you going? You need to find that capsule. You do it. I'm not going to go up in flames with the rest of the town. This job is turning out to be a lot hotter than I had expected. Hey, wait! Bon, ça sent la fin. Je sais pas pourquoi. Là, il va y avoir une détonation là, un truc. Un countdown. Car on bastos dans le tyran et puis on en parle plus. Ouah, Umbrella avec un L, bravo. Bravo les mecs. Putain, Capcom, c'est des génies quand même. Hein. C'est mec, même Umbrella, ils arrivent à faire une faute dedans. Et là, c'est même pas une erreur dans un texte. Tu peux même pas dire c'est une coquille de texte. C'était sur le putain de conteneur. Putain, c'est pas possible. Mec, bientôt, ils vont réussir à faire une faute dans leur titre de jeu. Ah bah voilà, bah c'est bon, dans 3 minutes, on a fini le jeu, on en parle plus. Hop, ça dégage, ça saute. C'est quoi ça? Dans 3 minutes, on peut aller tous se toucher là. Vous avez mémorisé celui-là. Bah, je sais pas. Je vais où? Faut se dépêcher quand même. Hein. Parce que 3 minutes, ça me paraît léger, non? C'est un zombie ça? Et dégage, princesse! Et l'autre qui... Ah mais l'autre il a vraiment compris que... Attends.
Parce que je sens qu'il va avoir un boss ou quelque chose dans pas longtemps. Le flingue, j'ai plus de balles, de toute façon, on s'en fout. Ils font chier avec ces trucs, mais des fois il peut avoir des trucs en dessous. Regarde, là il y a un truc. Non, c'est mon truc. Putain, l'arme. Enfin, peut-être que je me bouge le cul, je sais pas. D'ici de 10 dents, ouais, mais y'a moyen. Hein. Je dis, y'a moyen. Oh le con! Chaque fois, je crois que c'est des balles de shotgun. Mais en fait, non. C'est pas underground, non. Non, non, on a jamais de la vie. Non, mais attends, ça a l'air tendu là, non? Ah non, c'est bon, c'était easy, gratuit. Quoi? Ah, ça va, c'était gratuit. Et là, je me pète Mister X et on en parle plus. Ah ouais, d'ailleurs. C'est-à-dire que Shonkal il s'est pété Mister X aujourd'hui parce que c'était Claire B. Si je dis pas de la merde. Donc il s'est fait défoncer par Mister X. Ah, ça c'est moche quand même dans le remake qu'on n'a pas les 4 scénarios. Pour moi, c'est une régression quand même, hein. C'est une régression. Il y avait 4 scénarios de base dans le dans le jeu de base. Il devrait avoir les 4 scénarios dans le remake. Là, ils nous font une arnaque où ils font que 2 gros scénarios. Ah non. Moi, je veux mes 4 scénarios, là. Qu'est-ce qu'on fait, alors Ah, c'est pas fini. Oh, shit. Il faut que je le bute, lui. Attends, mais c'est Mister X qui sait... Attends, on va trouver une strat. Ouais, la strat de Mongol, quoi. Oh. Bah, je pense qu'il faut que je le bute, hein. Ok, j'ai plus de balles. Oh, il a l'air un peu con. Est-ce qu'il y a moyen de le mongoliser? J'ai trouvé le pattern. Regarde le pattern. Oh, je l'ai, le pattern. Putain, mais c'est comme dans RE2. Oh, la gratuité. Bah, semi-gratuit, parce que... bon. C'est gratuit quand le joueur il est skillé, quoi. Donc quand c'est une chiure. Oh, le joueur qui chie. Et l'autre avec son balai, il me fait pitié, quoi. Putain, il fait quand même mal, le con. Hein. Ah, ils sont... Il y a moyen de les esquiver tous, les Mister X. Mais, il y en a qui sont faciles à esquiver. T'as juste à faire un hit put gratuit, quoi. Faut savoir quoi faire. Il y en a deux... Avec Claire B, je dirais, il y en a deux qui sont super durs à esquiver. Surtout le dernier. Le dernier, là, quand tu prends la clé, là, et que tu regardes dans les... Avant le boss. Quand tu regardes dans le... Dans la caméra. Quoi, avertissement? Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, j'ai fini le compte. Ça va exploser ou quelque chose? Mais, allez, l'autre, il me mongolise à l'infini. Je peux plus rien faire, Ça va exploser. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il a lui? Mais je m'en fous qu'il soit... Et l'autre il a un... Voilà, il sort ton fusil, il attire. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Qu'y a-t-il dans sa poche hier maintenant? Non mais c'est nul. Oh, je suis mort. Il fallait peut-être pas le buter et juste avancer, hein. Ah, tous les coups je suis mort. Le truc il est parti sans moi. De toute façon, on s'en fout, c'est une contrefaçon, c'est Umbrella avec un L, ça existe pas. Je suis mort ou je suis pas mort? Mais c'est ce que j'adore avec ce jeu, c'est que tu comprends jamais rien. Des fois tu crois être mort et en fait t'as gagné. Et des fois le contraire. Dans les Outbreaks, c'est ça, c'est bizarre. Ils font croire que tu décèdes. Et en fait, ils te mettent des trucs juste pour te mettre la pression. Ils te mettent des artifices. Là, ça fait genre t'es au ending, t'es bon, mais en fait, t'es mort. Ou pas. Ou peut-être qu'il y a une suite. Je sais pas. Les mecs, ils te foutent une putain de cinématique de ouf pour célébrer ta mort. Parce que tu t'es foiré. C'est pas génial, ça? Donc si t'es trop bon... Comme Rafévi ou Shonkal ou Castor Troll, eh ben ils le voient même pas cette cinématique parce que les mecs ils tracent, ils voient pas. C'est trop balèze.
Ah, moi, comme je suis mauvais, je vois toutes les cinématiques. What the... Quoi? Eh mais s'ils me font un truc genre vous êtes mort, je pète un cap quand même. Parce que là j'étais pas très dans le... J'étais pas très dans la réussite là. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, je suis pas mort, on est bien. Ah, je suis sûr il y avait un truc stylé si tu le faisais à temps quoi. Ah oui, il doit y avoir un truc stylé, ouais non mais ça c'est dégueulasse par contre. D'avoir un truc tout stylé si tu le faisais bien. Ah bah c'est bon, putain, il lui restait 2 balles. Je suis dégoûté. Je me casse. Ah, je suis dégoûté parce que peut-être que j'avais gagné si... si j'arrivais à temps. Maintenant, il faut que je me fasse un deuxième boss, non? Peut-être pas. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, il me donne ce qu'il faut. Hein. Je vais peut-être revenir en arrière, prendre des soins, je sais pas. Ça sent quand même la faim, là. Ah bah. Ouais, ouais, ça sent la frite. Je suis vraiment pas frais. Hein. Ah, y'a quoi, un final bossu là? Là, ça sent quand même. Par contre, j'aurais bien voulu une save avant quand même, non? Moi, je pense que je suis bien préparé là quand même. Bien préparé hein. 50 balles 71 balles j'ai... ça a aucun sens, qui se trimballe avec 71 balles de fusil sur lui quoi, même un chasseur il en a pas tellement. On fait quoi? Je suis perdu. Ah, mais je m'en fous. Je sais pas, je vais où là? Je fais quoi? C'est quoi cette merde? L'autre en PLS là-bas. Non mais sérieux, je fais quoi là? Je suis bloqué. Bloqué à vie. Faut que je monte sur le truc, ça n'a aucun sens. Ouah, ce glitch! Ouah, je trouve un OB. Oh, les bâtards! Oh, les petits bâtards! Ah, attendez, j'ai trouvé un OB, là. T'as vu comme j'ai glitché, là? L'autre, il avait Parkinson, le bordel. Bon, j'ai fait ça. Voilà! Voilà, là, attendez, il y a un moyen de faire un OB, là, ou quelque chose. Putain, je vais me faire softlocker encore le jeu. J'ai arrêté mes conneries, quoi. Ok, putain, les petits bâtards, comme ils ont bien planqué le truc. Je suis énervé. Ah! En plus, c'est un prank! Oh, mais non! Non et... Tu vas pas me dire que c'est pas fait exprès ça. Parce que je suis désolé, tu fais pas une caméra plongeante juste là sur le truc si c'est pas fait exprès. Là, vous êtes des saloperies Capcom, je vous déteste. Je fais des golden shower à vous et à toute votre équipe. Oh là là, parce que ça c'est fait exprès.
Bon, je fais où? Oh, please. Donnez-moi la solution à mon souci, là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Où on pourrait aller? Je vais revenir en arrière, peut-être que c'est en arrière quand même, et que là, c'était juste pour des munitions. Hein. Parce que là, je vois pas. Ah, c'est déprimant. Bon, bah je sais pas, est-ce qu'il y a un truc que j'aurais pas vu là? Ah non, on dirait que c'est bon. Hein. C'est bizarre quand même. Il faut que j'aille au conteneur là où il s'est fait buter les classes. Mais il faut aller où là? Je vais pas crever d'un time up. D'un virus up quand même. Je vais crever d'un virus up. C'est génial. Ah, c'est ouvert? Mais maintenant le mec il m'a quelle vue déprimante partout quoi. Ils en avaient tellement marre. Ah peut-être là. Oh non mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie quoi. What? Pourquoi tu sais, je croyais qu'il y avait un chemin que j'avais pas fait. Ouais, ça doit peut-être pas avoir des objets ou quelque chose. Enfin là, je suis bien préparé, mais comme dit, on est à combien là? Faudrait quand même arriver au bout. Moi. Là, mais il va y avoir rien, c'est ça? What the fuck, man? What? What? Oh putain, bah sauvegarder, je vais sauvegarder. J'en ai rien à foutre, je vais sauvegarder. De toute façon, c'est à côté parce qu'on a fait des trucs, on a fait des machins. Et je suis perdu. Je sais pas quoi faire. Ça fera? Ah, c'est peut-être là. Oh, please. Fuck. Je suis en quel état, là? Si je vais là... Ah non, y'a rien. Ouais, je suis dans un état merdique. Merci. Encore des shotguns. Bah, super. Ah ouais, je vais aller voir sur le Tyrant. Hein. Peut-être qu'il y a un truc. Et là, je vais déjà aller sauvegarder, parce que comme ça, au moins, je suis sûr de pas me faire niquer, quoi. 45 Ottawa, ça, on s'en fout. Ah ouais, non, mais je l'ai pas lu, en plus, le document. Ouais, bon, de la merde, hein. Ah mais attends, il y a tout un truc qu'on n'a pas fait aussi ici, hein. C'est complètement débile. Ouais, à nouveau des zombies. Oh GG. Attends, le point de sauvegarde il est à 200 km, non? Je dis je vais sauvegarder, mais je crois que c'est à 200 km en fait. What the fuck? Ouais, non, mais là c'est exagéré, hein.
Ouais, mais ta mère, sérieux, je suis en train de réfléchir. Putain, je me fais tellement troll. Pas possible de se faire troll comme ça, putain. Je fais troll par toutes les merdes du monde. Oh, je sais pas quoi faire, ça me saoule. Oh putain, maintenant je suis à côté du point de sauveur, on va aller sauvegarder. Hein. Moi je croyais qu'il était plus près. Hein. Ah, attendez, peut-être qu'on trouve des trucs qu'on n'a pas compris. Et l'autre il a deux fusils à pompe sur lui. À peine vénère le gars, quoi. Bon. Mais laisse-moi regarder mes... Putain, mais ils sont chiants, ils sont... Putain, ce jeu de merde. Il va me casser les couilles, mais jusqu'au bout. Et putain, tu te tapes un boss, ils mettent pas de point de save, là. C'est quoi ces conneries? Putain, je demande pas un point de save tous les 3 mètres, mais quand même, t'as dans une partie, tu fous au moins... Dans un scénar, tu fous au moins 3... Tu mets 3 trucs, quoi. Là, j'en ai eu deux, et il y en a deux dans toute la partie, quoi. C'est ridicule. C'était là. Ah, mais pas qu'il faut que je l'emmène, elle. Parce que pas une histoire, il fallait cette conne. Ou s'il y a pas une histoire, qu'il faut que je revienne au début. Parce qu'à un moment, il me dit, en plus, je peux pas y aller sans la meuf. Non, ce serait ridicule. Ça veut dire qu'il faudrait que je prenne la gonzesse, là? Et que je l'emmène de nouveau tout? Non. Non, non, je peux pas revenir en arrière, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Allô? Non, non, c'est pas possible, parce qu'on peut pas revenir en arrière. On se prend une transition, là, quand il y a le tsunami. Non, mais il y a quelque chose à faire de... Putain, mais ça saoule, ce jeu, il me saoule. Non, mais je vais pas redescendre. De toute façon, on peut pas. Putain, j'aimerais juste finir ce jeu... et finir ce stream. Je suis pas énervé. Complètement pas énervé. Comme ça, quand j'arrive au boss, j'ai aucun soin. C'est simple, je suis pris toutes les mines. Toutes. J'avais même pas au sol, putain. Mais elle vient de où celle-là, putain? Fuck. T'as même des trucs, ça me pop sur la gueule sans raison. C'est bon là. Là c'en est une, ça je la prends pas celle-là. Il y a hors de question que je me tape celle-là. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? C'était un zombie, un cassos. Okay. Casse-toi. Je suis en train de visiter là. De toute façon, j'ai une putain de lance-roquette, je le garde pour le boss. Oh, attends! Bon, alors. Que je visite quand même là, hein, peut-être.
Ouais, franchement. Voilà quoi. J'ai tout à fait ce qu'il me faut. Bon, il va avoir rien, c'est ça? Pourquoi ils me font aller là-bas? De toute façon, ici il n'y a rien, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose. Ça me paraît illogique. Ah, s'il y a des pilules. Antivirus. C'est un recover machin, c'est pas grave, on prend quand même. Pourquoi elle a dégagé la meuf? Ah ouais, complètement. Attends, exit, c'est la fin. Là, ça se finit là quand même un moment. Non, j'ai même pas envie. J'ai pas envie de lire. Laissez-moi tranquille. Waouh, mais je sais pas où aller, c'est l'enfer. Bah oui, je suis à 80%, mais tu m'étonnes, mon gars. Tu veux que j'aille où? Putain, le truc qu'on voit pas là. On voit rien, monsieur l'arbitre. Putain, on voit rien avec ton truc de merde. Je sais pas quoi faire, c'est fou. Ce jeu, c'est de la merde. Putain, mais jusqu'au bout. Hein. On va casser les couilles, hein. Je serais vraiment content de finir cette merde parce qu'après, ça va être des jeux qui vont être supportables. C'est quand même insupportable. C'est quoi au sol, là, direct? Ah, c'est des pilules. Ouais, bah si je trouve pas, je rage quitte. Hein. Je vous dis. C'est très con de rage quitter à 5 minutes de la fin. Parce que après, je crois que je reprends le stream. Il va y avoir 5 minutes de gameplay. Le stream le plus court de l'humanité, quoi. 5 minutes. Non, 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 non. Ce jeu, il est pas assez low cost pour Yuichi. Bon, est-ce qu'il y aurait un petit passage de merde que je n'ai point vu sur la fin? Je sais pas. Hein. Putain, on va se trouver à chercher la soluce. Hein. J'avais oublié ce détail que j'avais dit que j'en ai rien à foutre de jeu, que j'utilise une soluce quand je sais pas parce que ça me prend la tête. Un soin là. J'avoue, j'ai trop de balles. Et qu'on va voir ce qu'il faut faire, quoi, parce que ça me casse la tête. De toute façon, je peux pas trop revenir en arrière. De toute façon, là, techniquement, c'est la fin, quoi. Je me suis fait un tyran de ouf, là. C'est bon, quoi. Oh, je vais aller voir un speedrun. Je suis énervé. Bon, bah c'est là, on sait pas. Est-ce que c'est possible d'avoir un égout caché ou quelque chose? Y'a rien là, là, y'avait quoi là alors? C'est là, non?
peux pas passer là, je peux pas pousser la bagnole, il veut pas me laisser. Mais putain, c'est quand même bizarre. On dirait vraiment qu'on peut aller là. Hein. Putain, je veux dire, ils ont pas foutu la caméra en mode bizarre pour le troll quand même. Oh vas-y mais ce jeu il est casse-couille quoi. C'est juste pas possible de faire ça. Tu te fais un gros boss et derrière on te troll quoi. On va pas savoir quoi faire. Quel jeu de merde. T'as juste envie de quitter quand t'as des situations comme ça. On va te faire enculer. Tu butes un boss, après t'es dans un cul-de-sac. On peut monter là-dessus quelque chose. Bah tout ça je vais crever d'un time-up là. C'est pas possible. Y'a rien à faire. Je sais pas, j'ai fait tous les chemins du monde. Faut quand même pas me dire qu'il faut que je revienne tout au début. Alors que je peux pas revenir normalement. Ah la carte, pourtant elle propose rien de ouf la carte. Hein. Donc, autre. Quoi, objet de guérison, ouais bah oui. Et autre, c'était de la merde. Donc voilà. Bon bah j'en ai marre. C'est bon, ça va casser les couilles. Hein. Leur connerie là, ça va 5 minutes. Hein. Quelle bande de connards. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui dit moi, je sais pas. Je sais rien, j'ai tué Tyran là et après il m'a foutu une cinématique avec une autre bestiole. Bestiole dans un conteneur là, je sais pas quoi. Ouais non mais c'est casse-couille ce jeu, c'est un connard, c'est tout, je déteste de ouf. Je vais arrêter, 2h30 du matin, je vais arrêter aussi, mais bon ça me fait chier d'arrêter à 5 minutes de la fin quoi. Mais c'est clair et net, je tourne pas une demi-heure là. Je vais encore voir sur le toit là. Après, je regarde exactement ce qu'il faut faire. Et... voilà, on va aller
sur le toit. Enfin, sur le toit, il y a plein de toits, mais bon, bah, le toit là-bas. Quoi. Pourtant, j'étais avant, il n'y avait rien. Ou j'ai nouveau manqué un truc sur le toit, nouveau un putain de trigger démoniaque. C'est pas possible. Allez, casse pas les couilles, franchement, cassez pas la tête. Là, j'ai vraiment pas le temps de m'amuser, je veux finir ce jeu. Et franchement, je croise les doigts pour que ça ne débloque pas les scénarios bonus. Hein. Franchement. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu ce genre de script là où il y avait le idiot qui cassait la porte. Ah, c'est une épreuve, hein. Les woodbreaks, c'est une épreuve. Hein. Ouais, il faut être confiant, on est sur la fin. T'as même monté les escaliers, ça me casse là, les couilles. Allez, casse-toi, mec. Je suis fatigué là, j'ai juste envie d'arrêter. J'ai même plus la force d'aller manger là. Toi, voilà, toi, autoroute. C'est bon là, non? Ah. Ah bah voilà, putain, c'était là. Ah bah super, écoute. Et tu vas pas mourir, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, mais monte! Comment on monte? Je spamme le bouton, je sais pas comment on monte. Qu'est-ce que... Mais monte! Il m'a fait flipper, le con! C'est fini, c'est fini. Oh, c'est peut-être bossu, hein. Je sais pas. Oh, mais c'est jamais fini de la vie. Attends, ça, je vais lui mettre un suppôt là. C'est ma roquette. Voilà, bossu, final bossu. La, true last boss, calmez-vous. Merci le double pour le host. Le bisou. On est arrivé pour le true last boss du jeu le plus infernal de l'histoire de l'humanité. Quel jeu de l'angoisse totale. Et là, ça le déchire en mode. Je suis énervé là. Ah oui, en plus il prend la pause et tout. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, j'ai trouvé un lance-roquette. Putain, je sais pas là, là. Je vais pas me foirer quand même. Allez, bim! Oh là là, mais ce jeu. Allez, bim, ça dégage, ça saute. Allez. Mais je sais pas, c'est une petite... C'est une plaisanterie. Ça l'a même pas calmé. Hein. C'est pas un jeu bourre, hein. Je crois que je peux pas bourrer. Je suis pas sûr de le toucher, hein. Tristesse. Tristesse sexuelle complète. Ah ouais, putain, il y a des lance-roquettes. Non, c'est quoi, je crois que c'était des roquettes. Ah bah si. Ah, je suis à 100%, ok, donc c'est fini, ok. C'est génial. Ce jeu, c'est de la pure merde quand même, hein. Et je recommence pas du début ou je sais pas quoi, hein, de nouveau. Hein. Parce que je me fais pas baiser trois fois. Hein. Pourquoi le dernier truc? Mais putain, mais pourquoi le dernier scénario? J'ai jamais... C'est bon, non? Pourquoi le dernier scénario, il se sauvegarde pas? Et je vais pas tout recommencer, mais j'ai fait une safe tête. Hein. Mais nique sa mère, là, ça commence à me casser les couilles. Hein. Ah, j'en ai rien à foutre. Je cherche même pas à comprendre, je veux de la safe tête. Hein. Mais le problème, je crois que j'ai... le problème, c'est que je dois quand même tout recommencer. Putain, parce que j'ai pas sauvegardé avant le boss et tout. Ah, c'est bon, là je continue pas. Enfin, je sais pas. Attendez. Ah ouais, non, mais je dois quand même tout refaire de ouf. On va te faire foutre, quoi.
Ça il fait bug, ça fait 12 heures que je joue au jeu, j'ai aucun problème. Là, ce scénario, ça a décidé de pas sauvegarder. Bon, ça j'ai pas besoin, on s'en fout. Non mais je voulais pas équiper ça. Ouais, je vais prendre ça. Cassez-vous les mongols. Ah, c'est bon, ça m'a cassé les couilles là, ça, ce scénario, je l'ai déjà trois fois que j'ai, enfin, là j'ai pas recommencé, mais ça ferait trois fois que j'aurais recommencé. Je me prends les trucs parce que je suis un con. Trois fois que j'aurais recommencé, est-ce que j'ai besoin vraiment du magnum là? Non, on s'en fout. Pas aimer le jeu en solo, c'est pas possible. Tu peux pas t'amuser. Outbreak 1 c'était de la merde et Outbreak 2 c'est la même merde. Alors je dis pas, en multi il doit être terrible le jeu. Mais tout seul, c'est pas fait pour être joué tout seul. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, arrête ça tout le temps là. Putain, j'appuie sur start, j'appuie pas sur R3 là. Mine détector. Là, j'en ai marre de me faire baiser là. Je vais finir par vraiment faire des save têtes en in-game quoi. Faire chaque fois baiser. Allez, je m'en fous. Allez, ta mère. Je sais même pas ce que je vais faire là. Je vais essayer, si on arrive peut-être à prendre l'hélicoptère avant ou quelque chose. Avant qu'il y a, voilà, avant que les 3 minutes se finissent, je vais essayer de tracer. Et ne pas me faire le tyrant là, ou le fer ou je sais pas. On va tenter un truc. En bras la corpse. Il n'y a aucun intérêt de faire en bras la corpse, c'est que c'est que le tuto qui est solo. Je vais pas acheter un jeu pour y jouer au tuto. Pourquoi j'ai pris ça? Le jeu apparemment il est déserté de ouf. Le jeu est sorti il y a un an et il n'y a personne dessus. Mais j'espère que Capcom ils ont perdu beaucoup de thunes avec ce jeu parce qu'ils méritent pas d'en gagner. Je veux peut-être même pas besoin de le buter, je me casse. Allez, je suis un fou. Allez, je suis un fou. Allez, ça peut le faire. Genre ça l'a même pas buté. Pourquoi j'ai pas mes balles? Parce que je les ai posées. Je les ai posées au sol. Putain, ça l'a pas beaucoup niqué le fusil à pompe, j'ai l'impression. Hein. Ah, il faut tirer dans le cœur. Tire dans ton cœur, mon cœur. Ouais, bon, viser avec. Ouais. Viser le cœur avec le lance-roquette, je t'avoue que c'est un peu balèze. Mais ça fait soin. Mais attends, j'ai pas de balles. Pourquoi j'ai pas de balles de flingue? Oh mais ce jeu c'est tellement de la merde! Putain, t'as toujours ce problème de tout perdre aussi là! Allez, va chier, je vais finir demain parce que ça me prend trop la tête là. Ouais, je sais pas, prends des trucs, j'en ai rien à foutre.
Ouais, bon, on va essayer de se casser, quoi. Putain, l'autre, je lui mets une roquette dans la gueule, il crève. Putain, les balles, c'était à côté, là. Attends, on va essayer d'aller vers là-bas. De toute façon, t'as encore un peu de temps. Ils te font 3 minutes, mais c'est pas 3 minutes, c'est un peu plus. Parce qu'après, il y a un genre de warning. Ouais. Allez. Mais avant que ça. Peut-être qu'il faut juste que j'aille là-bas avant l'heure. Allez! Putain, mais qu'est-ce que tu veux passer là? Je peux rien faire là. Si le mec, il va jamais me laisser passer, hein. Et lui, il passe au calme. Il me troll en plus en passant deux fois. Genre, il est mort. J'ai pas de soin. T'as le truc qui va partir avant que je sois à l'heure. Les jeux de merde. Ce jeu, je le déteste tellement. Allez, va chier, va chier. Putain, je voulais aller arriver au truc avant l'heure. Ah, vous savez quoi, franchement, hein, je rage quitte. Ça m'a trop cassé les couilles. Hop. Bon allez, la bise. Merci pour le host vidéo gamer, mais c'est fini là, parce que franchement là ça m'a pris trop la tête, ça va prendre 4 ans, c'est bon quoi.